sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La série plusieurs par population Donald Trump est dans la tête. Le président Maduro joue la provocation. Il sera à nouveau la première puissance. Sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir résoudre Damas. Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé-Caraïbes, la chaîne 22. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Fernando Estimé. Moi, content d'entrer la caillou dans quatre nouvelles sorties émissions sans frontières. Émissions sans frontières, c'est émission télévision Caraïbes potée pour vous, pour aider à comprendre ce qui a passé sous la tête. Parce que ça cap passer sous la terre capable bien conséquences sous la vie moi-même Fernando estimé sous la vie ou même cap coûter là et la vie famille. Pendant m'a dit ça, moi songé il y a quelques mois, moi t'ai fait une émission ici et puis m'ta fait un exemple et puis m'ta parlé de budget que Donald Trump présenté par devant Congrès américain. Moi t'ai expliqué que Donald Trump réduit budget département d'État qui c'est ministère affaires étrangères pays les États-Unis et puis il augmenter budget Pentagone. Alors, le haut du budget département d'État, il une série de dépenses que le département d'État est obligé de faire coupe là-dedans, notamment ça concerne l'aide que pays les États-Unis bail avec des pays. Bien peut-être qu'on paquet de monde qui pas prête attention à ça, m'a dit. Et puis c'est qu'il y a deux ou trois semaines de cela, et puis moi je vois appel aux autorités. Autorité a dit mais ça qui passé là, et pas entendre tel bagay pour le fermer, pas entendre tel ONG dit y a fermer, alors tel médecin sans frontières dit y a fermer, tel l'autre dit y a mettre mon aïe, ça qui passé comme ça. Dit bon, ça me connaît depuis 6 mois. Il dit mais comment ça? Me dit oui, on te dit dans sa frontière. Très souvent, l'on parle ici, nèg la rien doit penser ça lourd, l'on parle bah on parle pas concerné. Mais ça m'a parlé très souvent, ou cal grand effet sur la vie ou et c'est les cas présentés devant, ou connaît gain cas ça. Semaine ça gon causé mini jusqu'à parler gouvernement haïtien ont ti gens fâché avec Nations Unies yo même rappelé pour consultation ambassadeur que ont gagné à l'ONU ambassadeur Régis qui était en poste à l'ONU qui représentait Haïti auprès des Nations Unies à New York yo rappelé l'ONU te sorti un communiqué gouvernement sorti un autre note de presse donc gon ti di fait volant entre deux catégories ça yo entre gouvernement et mission et Suzanne Page qui c'est chef mission ici. Mais m'te expliqué oui, tout ça que t'as gagné dans fonctionnement mini juste dans émission m'te fait ici à sous mini juste. M'parler même de à quoi, m'entrer à l'intérieur, mais à l'intérieur dans s'il est fait honnête, m'expliquer. Mais laisse ça, bien peut-être pas de monde t'a écouté non. Mais c'est kounia, laisse ça mal passé a. Il a dit oh, et bah c'était vrai. Eh bien, l'or sans frontières passé dans la télévision, là, car où? Quitte chaîne dans côté, attendez, Caraïbes, là, c'est là pour quitter le casse bouton sous télé, Caraïbes. C'est qu'on s'allie, les amis sous plateau, ah oui. Non, mais c'est vrai. Très souvent, il y a des bagages sérieux qui ont parlé. Eh bien, je dis, il y a 12 jeunes avec et moins jeunes, côté nous pourrons discuter. Nous pourrons parler d'un bagage qui concerne la vie, nous. Évidemment, même ça fait me fâcher. Mais ça n'a pas étonné. Même Jean-Zamim Ronald Placis dit, ça n'a pas étonné. Et ça n'a pas étonné pratiquement aucun monde. Nous sommes dans l'émission Espace International que m'anime sur Radio Espace, 94.1 chaque samedi. Je recevais l'ambassadeur Lucas. L'ambassadeur a dit ça n'a pas étonné. Pour un si j'en t'avais dit ça n'a pas étonné. Donc ça n'a pas étonné le monde ça qui passe. Même le fait nous fâcher, parce que nous suspectons qu'il était fait déjà, ou bien nous avons un pressentiment que nous avons des bagailles comme ça qui t'a fait, des bagailles qui ne sont pas comme ça qui t'a fait. Dossier nous allons parler aujourd'hui, messieurs, dames. C'est un dossier qui concernait scandale qui touchait Oxfam. Oxfam qui sont ONG, scandale ça c'est Oxfam qui touchait. Mais problème non, c'est pas Oxfam seulement lié, non. Li entre dans catégorie de pillage. Catégorie de pillage là c'est fonctionnement organisation non gouvernementale en Haïti. Ça nous relie ONG. Ya. ONG ou qui wol yo, qui est-ce qui contrôle yo, qui moun qui compte qui ça fait. Est-ce que ou même sous magistrat, est-ce que les ONG a vini dans commune ou an, est-ce qu'on qui ça l'a réglé, est-ce qu'on est l'argent le recevoir, combien le recevoir sous nom et qui ça le fait avec yo? Me songe me tape un article aux États-Unis, un scandale pratiquement tout qui lié on organisation ça yo de type ça yo qui recevoir environ $500 millions américains. Et puis les a regarder ça le fait
yon nan kote l ta dwe fose de bansan pil kob la dan, ou a se 6. Map di kay, je suis quelqu'un d'assez gentil. M'di kay, mais m'taka di 6 a jou pa. M'taka di 6 bogi. Lò ou se vwa des som ki avwazi de 500 million dollars américains, et puis se 6 deko wom ou fe, se 6 a jou pa ou fe, gon ti problème. Très souvent, gen moun kap ramase kob sou non Haïti. Gen moun kap ramase kob sou mizèn ap viv. Et puis kob la, lò ou kob la ap depanse, on zanmi ki loun machine. Machine ki bare ta machine. Pou l kouri non machine ni bien climatisé. Mba ko la pense a ti Paul non ki nan ba on tante sou chèt bas la. C'est pas problème ti Paul la pense, pas problème ti Joël la pense. Ou pren zamdou la, lèl descend la fè photo ti Joël. Et puis le bay ti Joël kebe sa nan mon, kebe ti sak sa nan mon fè photo. Photo sa pou nou mete sou site internet nou. Pou moun ka kontinye ba nou kòp parce nou gon travay n ap fè an Ayiti. Même j'aime te ba exemple pu artésien d'Afrique là, nèg yo al fon pu artésien en Afrique bo sa yete nan cadre ONU li même. Pu artésien kòp li koute a. C'est pratique pou ta di nèg yo gen kote pou te installer tu yo Tombouctou net. Yo pa te bezwen fè pu artésien. Nations Unies paye un consultant al vérifier si pu artésien fait consultant soti New York. Li vont l'autre vérificateur pour aller vérifier travail consultant et fait PDM k ap bay kòb hôtel kòb avion pour aller vérifier si on pu artésien a fait. C'est pas comique seulement moun sa ou comique kòb la pa pa le fait pour bouler, faut kòb la justifier, faut kòb la dépenser, kòb la dépenser, mais très souvent le pa rive sou moun li ta dwe rive yo. L'autant de dou projet a fait papa depuis dans rédaction projet nèg a fait kòb, comprenez? Donc c'est qu'on s'allie. Et bien, je dis, on va parler de Oxfam. Qui ça aussi Oxfam ça y est? Et après, nous allons regarder avec interview que j'ai réalisé avec ministre de planification et de la coopération externe, Métaviol Fleurant, qui représente le gouvernement haïtien dans le dossier ça, puisque c'est ministère par là qui, au final, a supervisé le fonctionnement ONGO. Donc, on fait un bon petit chit à parler avec Aviol Fleurant. Nous parlons pour nous garder Aviol Fleurant, pour nous parler avec lui. Il me pose l'empile de questions tout. Il essaie de porter des éléments de réponse. Donc, comme toujours, très. Son équipe ne parle pas brodé. Donc, Aviol Fleurant mettait tout verbe qui gagne. Mais nous-mêmes, nous avons obtenu un résultat. Nous avons obtenu un résultat enquête. Nous avons obtenu ce passé. Donc, voilà en quelque sorte, toile de fond, émission sans frontières. Ça, côté nous parler du scandale Oxfam. Qui est ce dossier Oxfam ça y est? Qui ça Oxfam dans tout? Eh bien, on regarde quelques slides ensemble. Côté nous allons regarder qui travaille Oxfam dans qui ça lié. Côté le sorti. Aïe, nous avons un paquet de monde ici, il faut que nous nous sorti. Eh bien, on allons dans la régie, on regarde les slides ensemble. Monsieur et dame. Scandale Oxfam, moi titre émission Rodia, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que c'est Oxfam nous tendait, mais c'est pas vous dire que c'est celle Oxfam qui dans ce dossier n'a pas parlé. Oxfam dans son confédération internationale, de 20 organisations qui travaillent ensemble avec des partenaires locaux pour dans presque 90 pays. N'a pas continué? Winnie Bien-Ima, c'est lui-même qui a la tête Oxfam International depuis 2013. Madame Bien-Ima, qui était siégée dans le Parlement ougandais pendant presque 11 ans, elle était participé tout dans la Commission Union africaine, donc son vétéran de la diplomatie mondiale, son monde qui travaille dans le domaine aide au développement. N'a pas continué, Régie? Donc voici madame nan, c'est lui-même qui est en tête ONG Oxfam nan, un ancien parlementaire ougandaise. Oxfam gagne presque 10 000 employés qui travaillent dans plus que 90 pays. Oxfam nie que le te dissimule ça qui fait là, même si tout le monde a critiqué façon le te gérer dossier, même commission charité gagne dans parlement britannique là critiquer bagaille ça ou dit bon, pas comprendre l'argent contribuable britannique a servi pour vagabond payer prostituée ou bien détournement mineur. Gonversion, on prend une petite version, on prend tout coup de rapport là, interne Oxfam, qui date de 2011, qui a publié lundi, alors lundi dernier, qui révélait que il y a trois noms moun Oxfam, qui ont décidé, même vous y aller, et puis tu as fait des menaces tout sous moun qui t'a rapporté bagay la. Il dit, bah là, pas seulement, moun sa ou par contre, comment vous violé. Menace de mort faite. Yo fait détournement mineur, yo fait détournement l'argent parce que yo prenant l'argent organisation pour payer fi vinn fait orgie sexuelle.
Ça crée les orgies pour les gens qui parlent de faire orgie, c'est leur inviter 4, 5, 6 femmes. Ça y est, pas content de seulement d'un seul grain, non, inviter plusieurs. Donc, je vais parler avec nous de contexte qui passé. Dossier Oxfam, dans son dossier qui passe en 2011. N'a pas remarqué qui a nous eu 7 ans après. L'État haïtien, par contre, ça qui est passé. Son journal, pendant qu'on a fait carnaval ici, on a dansé ici, qui est les deux Times en Grande-Bretagne, qui sorti en enquête, résultat en enquête qui mené, qui révélait le scandale. Là. Pendant le carnaval, le dossier a fait gros bruit dans toute la presse internationale. Donc après une fin de danser, nous venons commencer à réveiller pour nous attendre ce qui passe. 7 ans après, c'est-à-dire, nous voulons nous comprendre. Si son bagay qui te gros empoisonnement là dans quelque loin empoisonné quelque produit empoisonné nous tout t'a gété fin mourir. L'état va t'a connait si nous gété mourir si nous pas mourir pas 7 ans après papa nous t'a fin périr déjà. C'était détournement mineur utiliser l'argent pour prostituer même vle nous ouais danger que t'a gagné. En République dominicaine chaque 3 mois ONG qui a fonctionné sur territoire dominicain est obligé par le gouvernement dominicain rapport. Sous ça, au fait, l'argent au recevoir, comment l'argent dépensé et pour qui ça, c'est comme ça l'argent dépensé. Bien peut-être, on m'a dit que le Dominicain sur l'autre pays, mais comme tout, dit, c'est même bout de terre. Terre maudite, va arriver sous frontière directement. Donc, c'est yo choisi faire l'État. Yo choisi construire l'État. Yo choisi construire pays. Nous, même Haïtiens, qui l'en a décidé construire pays. On bagaille comme ça passé l'état haïtien c'est dans la presse même gens avec Fernando Estimé la brandi ambassadeur Bookshit qui ambassadeur noir au Muni c'est dans la presse qui apprend ni les CNN n'a demandé l'interview sous causé c'est dans la presse même gens avec nous apprend ni ministère planification c'est dans la presse yo apprend ni même le après vinn gab réaction qu'a fait mais c'est pas un dossier. Yo te gen tan konnen 2011 ça fait 7 ans donc en plus 7 ans l'état fait 7 ans le bagam konn ça k'a passé dans pays il bagam konnen ça k'a passé parce que baga ONG a vinn tout non lettre à la poste organisation en général depuis 5 jeunes garçons chita pas mandé ça après le son organisation a fait en même yo dit mon cher Jean pays ya et papa faut nous faire un Jean pour nous joindre au projet faut nous faire un Jean pour joindre au projet. Depuis 5 jeunes garçons chita, il y a discussion football, il y a faut ouais elle a posé, ou a baiser pèse même son complot qu'a fait là. Son projet a regarder comment pour mettre ensemble pour faire organisation pour écrire un projet. Je fais une jeune bagarre papa, on a le côté député tel, nous va le côté sénateur tel. Nèg yo vinn tourner des courtiers. Il y a marché chercher pour y aller des monde. Ou voulez aider monde, venez avec l'argent pour aider monde, mais nèg ici papa c'est chercher, il va chercher pour venir aider. Pendant la aider à tout. Là tout profiter vous comprenez faut les détecter la charité bien ordonnée il va commencer le par l'autre monde mes amis tout commencer le par tête là tout résoudre ces problèmes il y a la marge tout nèg ici gon projet autour très souvent téléphone sur ah mon chef Fernando mon nous compte quelque on dans pays mon chef mon petit projet là qui compte ta aider me passer mais ça maman ou t'a dit reler projetiste je ne suis pas projetiste maman m'pa ka aider passer projetiste sous maman. C'est pas comme ça bagaille au fait. Et ben pays y avait tout nos pays d'assaut mané ou libé. Et ben Haïti a prend ti ou libli à onti échelle très basse. Et ben grands autobre trois prend ou libio. Mais nous pral ouais ensemble dans quelques slide dans qui contexte méchanceté ça au fait. M'pa konn si nous toutes là. Est-ce que nous toutes qui là avec dans tes Port-au-Prince 12 janvier 2010. Est-ce que nous toutes qui là tes Port-au-Prince? Et bien, si nous sommes au prince avec monsieur et dame, nous vivons même ça, nous vivons là. Pays, c'est un pays qui est écrasé. Un pays qui est dans l'état d'élaborement. Côté moun te nan mise, moun bagay kòp pou manje, moun nan perdi ma tante, ni perdi madame, ni perdi petite li. Sauf qu'il y a des autres qui blessé, l'oblige à chercher la vie pour des autres sa yo. Malgré peine ni gen yon, li oblige à fonye l'an de survie. Nous quittons Port-au-Prince le 13 janvier. M'a passé sous grand rue. Sous grand rue a mes amis. C'est première fois dans vie m'croisé ça relé on no man's land.
gen pile nan nou la peut-être m'pa konnen ki nan relation internationale. Eh bien, no man's land, c'est-à-dire son côté, aucun monde pas contrôler, aucun monde pas diriger. Me croiser des policiers qui ont couru quitter Port-au-Prince même j'avais et puis me croiser des monde qui gen couteau nan main yo. Qui agresser monde qui passer pour aller prendre machine. Pour aller dans station la Tibonite. Policier a passé, moun na couteau nan main n'a pas agresser l'autre monde, des policiers en uniforme. Yo pa ni vi regarder ni pa vi regarder. Pa ese tête yo a chercher pour yo sauver. Pa go ken moun ki te go ken contrôle rien ba la ville là. L'état était inexistant. Nan même jour tremblement de terre m'a regarder interview président René Préval sous CNN. Parole l'a di yo ou presque ta ka di c'est des paroles crément. Moun nan son moun ki de là, li pa konn sa l'a di a. J'ai juste à poser la question. Chaque salle dit, my palace collapse. My palace collapse. Où est son monde qui pat? Il pat t'aime. Il dit, oh, ça va. My palace collapse. Vous comprenez? Où est mon pat t'aime? Palais le croisé. Tout ministère, palais des ministères, nous devons garder chaud massio. Inexistant. Ou presque dit, tout va qu'on soit frappé. Comment pays ça fait? Pour importe, malgré passeport dans proche ou tant d'Américains qui ont été atterrés, ou pas qu'à coller, c'est citoyen américain seulement qu'à coller. Pour ça, qu'il y a un port là pour recevoir, non pas qu'à quitter le pays. Port-au-Prince, pas de manger, pas de l'eau, pas de rien. Eh bien, c'est dans le contexte misère ça. Dans le contexte d'élaborement ça. Pour des gens qui disent qu'ils viennent aider. Pendant ap vini aider avec ça ou ramasser pour vini aider avec l'argent ou ramasser pour vini aider yo vini avec concept food for sex si pour me bon sac farine faut bam de yo faut me coucher avou mal en battante lan koto nan tout misoye ka ou fin krasé ou ba wè route pour sorti pour me demander se coucher pour me coucher avant pour mon sac diri pour mon sac lettre pour mon sac pitimi ça vient arriver non niveau pratique mon ta dit moun sa gèlè pa gen kè à la limite parce que gen des bagay li presque inimaginable gen moun ki ka blier pa mémoire nou coûte an gade avèm kèk image époque ça nan Port-au-Prince pour nous comprendre contexte là. Ou pour un petit monde 16 ans qui déjà gagne tout problème, toute difficulté ça yo pour ballon $15 $10 américain pour venir demander non seulement pour le coucher avant l'on fin nous fait 7 8 9 10 à danser ou à filmer autant qu'ou actrice porno tant qu'ou monde qui fait film porno film XXX ou à filmer petit monde ça yo c'est gaspillage venir petit monde ça parce que yo même yo non état d'élaborement total et puis ou toi profiter de ça ou fait 7 8 camper pour y a faire chaud pour ou finalement ou presque pas gain que m'gain des vidéos m'pa ka la gueu vidéo orgie ou puisque c'est pas contexte là mais m'pa besoin faire description pour aucun monde si me dit 7 8 ti moun réuni tout monde la kayo qui a assez âgé ou qu'apprend comprendre. Donc c'est dans mass media ni en télévision grand public donc les vidéos je ne peux pas les diffuser de cette manière. Mais on garde contexte qui te gagne ici en Haïti que vagabond décide profiter de lui pour abuser sexuellement des moun même lors du payer on moun c'est prostituer lié on va pas profiter des misères moun pour faire venir prostituer tout. On va pas profiter de faiblesse moun nan de dénuement total moun nan pour faire venir prostituer tout. On garde ensemble quelques slides. Devant palais, capitale la Port-au-Prince pour n'abdormi. Kaisa son kay qui est ventré. Bout de bloc, à terre fait 50 hôtels. Même l'église crasé, tout bagarre à terre. Son pays est désolation. Palais national d'Haïti a crasé, saut tombé. Tout le monde en bas bout de bloc, tout le monde en bas béton. Gen pile moun qui vient aider kap bay bon service. Mais gen l'autre monde c'est délinquant ou vinn fait côté gon gros élan international moun di pou vinn d'Haïti sous photo ça n'a pas un paquet de gros vedettes et ben c'est dans contexte ça vagabond
sous couverture ONG décidé d'y ap vini aider pendant y ap vini aider ya yo plus semblé moun ki vini aider tête yo moun pa ka vivre ou dormi au moins nan kay passé à l'époque dormi non belle kay Port-au-Prince nan maison mwen am noual ou maison avèm nan c'est ton luxe l'on fini pour ap inviter moun vin bo la nuit met sou l'anko à la moun yo méchant à la moun yo sirit à la moun yo méchant papa. Eh bien, nous continuons dans la cause de Oxfam. Évidemment, Oxfam présente, excuse-li, by gouvernement haïtien, directeur général Oxfam Grande-Bretagne, Mark Goldwin, et président Oxfam International, Winnie Bien-Nima, ont également demandé une réunion officielle de haut niveau avec le gouvernement haïtien. Donc, puis, au cachet, arrondi les angles. Simone, baron comment l'île, baron, non, la Tissé Hearst, baron comment l'île, et Margali Damasot, ont rencontré le ministre haïtien de la planification et de la coopération externe pour présenter les excuses officielles de l'organisation Oxfam au gouvernement haïtien. Donc là, c'est dans la réunion, après réunion avec Aviol Fleurant, côté dirigeant Oxfam, te vin présenter excuses-li by gouvernement haïtien. Donc ça, c'est monsieur, ça, yon là dans yo, yon nan mal pour yon, yon nan vagabond, yon nan sans ave, qui te invité mesdames yo, vin faire orgie pour li. Invité 7-8 ti mesdames vinn prendre aujourd'hui pour monsieur c'est un pi gros dirigeant Oxfam te gen ici en Haïti donc monsieur prend ti moun 16 ans vinn mal plaisir le soir nous sans avé ya sans avé ça te Tchad li fait même zak yo Tchad malgré ça les tremblements de Haïti yo voye l'Haïti encore Oxfam connaît zak qui te fait Tchad yo Oxfam voye vagabond voyou sa banou vinn fait même dégâts gade figi mal pour honte là journal de l'email expliqué qui pas seulement Oxfam qui n'a bagaille ça Daily Mail son journal en Grande-Bretagne des personnes œuvrant pour l'organisme World Vision avaient pris l'habitude d'échanger de la nourriture et de l'argent pour des relations sexuelles ça aurait les food for sex avec des survivants du séisme 12 janvier nèg l'arrivé en battante là ils il gain sac diri ça gain sac sinistré ça tout monde qui besoin manger bon mon petit plaisir. Bah connait non, c'est ou connait. S'ouvle manger, même ou pas trop mal non papa. Ou pas trop mal passer ça. Eh ben on connait. On attend nous. Comme si c'est ça vagabond vinn faire ici à manger ou fin récolter sous nos moun nan déjà. Ou fin récolter manger a pour doit aider moun nan. Et puis c'est nan cause ça. Qui est-ce dans nous là qui vivant battante? Pendant que c'est ou même, quand il y a l'autre monde qui est en battante pendant le 12 janvier, parle avec nous, non. Côté micro ou baladeur là. Comment condition la vie ou t'es en battante là? Bonsoir, monsieur fait estimer. Donc moi-même, t'es à vie. Comment vous allez? Moi, c'est Kade Oudlin, étudiant en droit. Pendant le 16 janvier, moi, t'es à vivre en battante sous chat de masse. Bon, malheureusement. Sous place? Sous place Pétion. Place Pétion. Malheureusement ça pas arrivé famille pam qui t'a vivre là mais donc comme si Jean pile bagaille ça était qu'on a fait là vraiment tu aurais été en causé louche qui la donne ça veut dire qu'on vienne bay 4 sous place là c'est moun qui gen zami ou bien tout on pile bonne mesdames c'est moun ça comme si bagaille en quelque sorte te gen pas de fin normal mais nous-mêmes nous pas de vivre moment ça Chad Mas là, alors le nous t'es à vivre Chad Mas, est-ce que nous t'es moins économique pas nous ou bien comment nous t'es fait pour nous vivre ou bien est-ce que c'est aide nous t'es joint dans des ONG ou bien des particuliers? Aide nous t'es conjoint. Aide, yo vini, yo bay manger et puis tout le monde participe. Ah ok, d'accord. Eh bien merci et vous dites c'est Woodline Kade. Oui. Merci Woodline Kade pour partager l'expérience ça. Alors on a continué avec question participant yo. Allez-y. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Stéphane Pierre. Stéphane Pierre. Oui, étudiant en relations internationales à NDC. Oui, ça me tente mais qu'on est pour comme dirigeant Oxfam qui est venu en Haïti pour venir présenter excuses auprès du gouvernement haïtien. Ça me tente mais qu'on est. Est-ce que oui, c'est vrai comme si c'est nous capables de dire excuses en fait, mais qui je comme si nous capables de considérer et jeunes mesdames comme si qui étaient subi en bas mais et comme dirigeant Oxfam qui était venu comme si pour faire orgie si par exemple tu as gagné tout et mesdames comme si qui était arrivé enceinte
comme si il a cherché la vie. Ou dit enceinte qui voulait prendre maladie tout, que tu dois prendre sida, que tu dois prendre herbe mère, c'est Phyllis, que tu dois prendre maladie tout. Oui, mais qu'on a là et qui gens comme si on capable considérer ca jeune madame ça oui. Mais. Bon, m'a répondu tout à l'heure, ben tout présenter style là. Merci, Machita. Et nous ca continuer avec style là et puisque gouvernement dans notre gouvernement vient mettre après que soit affaire étranger ou planification, yo essayer répondre parce que ça fait yo gagne des crimes qui fait. Leur couche à un petit monde 15 ans. C'est détournement mineur. Leur couche de 16 ans, ça relève détournement mineur. Pas de débat de ça. Pas de débat sur ça même encore. Leur prend l'argent au tebo pour baron monde manger. Ou prend dans l'argent sur fou et mon la donne. Ou paye 5-6 femmes pour faire sexe avant, pour faire bagarre avant. Ou pas gagner l'autre bagarre. Ou dit ça relève détournement. Ou moins un argent qui te fait pour un beau bagaille. Ou prend ou font l'autre avec. Donc pas de discussion sur ça. Et leur fait crime ça yo. Pas gen moun rapporté l'état haïtien ça. Donc pas gen sanction prend compte ou ici en Haïti. Ou imaginons un instant, m'a dit ça arrivé mais ça doit arriver. Tant qu'on saute fait barre là, ou saute dit là. On ti moun enceinte. On ti moun bon maladie quelconque. Ou est tout problème ça ka poser. Donc gen des crimes qui fait et nan communiquer l'état haïtien pour mettre dehors, ou expliquer ça qui passé autour. Le gouvernement haïtien condamne dans les termes les plus forts, le comportement indigne et inapproprié des représentants de cette organisation non gouvernementale internationale qui ont utilisé des fonds collectés au nom des victimes de cette catastrophe sans précédent pour s'adonner à l'exploitation et à l'abus sexuel de femmes et de jeunes filles dont certaines seraient des mineurs. Ça, c'est notre ministère des Affaires étrangères. On a continué avec même notre ministère des Affaires étrangères, la régie. Le gouvernement haïtien s'engage à ouvrir rapidement une enquête pour que les coupables de ces actes ignobles soient punis conformément aux conventions et lois en vigueur et que justice soit rendue aux victimes. À cet égard, il compte sur la coopération du gouvernement britannique dont il a pris note de son intervention expresse dans cette affaire, dans le sens de mettre à sa disposition tous les documents devant permettre à la justice haïtienne de faire la lumière sur ce dossier. N'a pas continué régie. Les autorités haïtiennes comptent passer en revue le fonctionnement des ONG présentes en Haïti en vue de s'assurer qu'elles respectent et fassent appliquer les normes en matière d'éthique et de comportement de leur personnel sur le territoire national de manière à ce que de tels actes ne puissent se reproduire. N'a pas continué régie. Ça, son tweet, président Jovenel Moïse, fait sous page Twitter qui concernait ce scandale-là. Il n'y a rien de plus indigne et malhonnête qu'un prédateur sexuel qui utilise sa position dans le cadre de la réponse humanitaire à une catastrophe naturelle pour exploiter les personnes nécessiteuses dans leur moment de grande vulnérabilité, son Excellence Jovenel Moïse. Donc, bah nous communiquer ministère des Affaires étrangères là. Moi, ben, nous avons un tweet que Jovenel Moïse fait sous dossier ça. Donc, nous avons tourné après pause là pour nous continuer à débattre et puis tout pour nous regarder l'interview à Viol Ferrand. Donc, merci. Nous avons tourné après pause là. Sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie est hier par procuration de Donald Trump et dans la tour. Le président Maduro joue la provocation. Il sera à nouveau la première puissance. Sans frontières. La diplomatie peut être un outil de délai. Les États-Unis vont devoir résoudre la masse. Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans frontières. Pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé-Caraïbes, la chaîne 22. Sa frontière retourne après pause là. Côté n'a parlé de scandale Oxfam non. Scandale ça qui touché nous même ici en Haïti. Mais c'est pas seulement Haïti. Te gen scandale qui fait Tchad tout. Et là on commence à fouiller zone en Kalalou. Même en Syrie, Rounia yon dit tete yo. Bon, ouais ça passe en Syrie. Bon map tombe. Bon, gen de moun tout. Qui gen même petit comportement yon te gen ici en Haïti. Yon gen tout. En battant juste en Syrie. Ça y dit son culture, ta qu'on t'a dit dans le langage américain widespread, donc son bagay, ou presque dit, gen délinquant tout côté. M'bat fait précision au commencement, même pas c'est important pour nous faire.
m'a vle aucun monde qui a regardé l'émission comprendre que Fernando estime qu'on problème personnel avec des ONG. Non. Tout côté gen bon grain, tout côté gen mauvais grain. Moi crois que majorité moun kap travaille dans ONG yo animé de bonne intention. Volontariat c'est pas tout monde qui décide de faire ça. Aller dans des pays en risque, moi-même j'ai l'habitude de faire ce volontariat. C'est pas pareil qui facile. Zanmi mek Jean presque final a panté tout pays en Afrique yo. Cameroun, Nigeria, li presque fin a panté yo. Gen moun kap travay nan OIM mwen konnen, se son des gens ou kapab di ou ka mize 10 points sou yo. Donc gen vagabond tout côté. Ka gen vagabond nan ONG, ka gen vagabond nan l'état, ka gen sans avé nan parlement, ka gen sans avé tout côté nan gouvernement, n'importe côté gen ka gen sans avé. Mais ça pa vle di tout reste moun nan entourage là c'est sans avé. Donc mauvais grain nan mauvais oran là tout côté. Ça grave avec dossier, ça grave dans dossier Oxfam. Non, c'est que Oxfam a l'impression que le fait ça américain il est en cover up. C'est-à-dire gon crime qui fait, gon désordre qui fait, au lieu pour prendre des mesures contre désordre là, yo plus semblent au monde qui prend feuille. Yo casser couvrir ça ta qu'on t'a dit d'une la caillou. Il a cherché couvrir pour monde pas ouais. Yo pas transmettre aucun autre ONG ça qui passé là. Vagabond yo revoke nan Oxfam pou sans ave, jwenn job l'autre côté, gen ki jwenn gros job al travay pou des ONG au Népal. Donc on est boss Cavan Zoutil. Li pa bliye métier, non grand moun yo remen d'ouverte. Boss Cavan Zoutil mais li pa bliye métier. Ou e vagabond te vin fè des autres li au Tchad, même si des autres là li vin fè ici en Haïti. Donc les Oxfam pas informé l'autre monde qui travaille dans communauté humanitaire là pour connait ça qui passé là. Yo dit et tel monsieur Gombel Bagouan, je travaille dans CIS 12 janvier, c'est ton gros crise, c'est sous ça au juger. Sauf que pas gen monde qui connaît dans crise là monsieur t'a travaille là, lui-même il était pas en crise hein. Surtout il n'était pas en crise de femmes. Les femmes, il les obtenait par 8, par 9, par 10 le soir. Donc lui, il y avait crise ici mais crise de femmes et il connaît pas hein, de ce côté-ci. Dans la organisation pays à l'argent organisation hein, vagabond gen femme kap vin ba ou plaisir chaque soir et ou prend plaisir et ou invite ti vient au lit nous on baï là tande la prend on 40 minutes bon prend 20 pito ah mon cher 40 bagana i 40 non papa limite moi c'est i 18 tande prend 40 là papa le bon prend 20 vous allez prendre femme 40 ans ça veut dire le prend des ti jeunes 19 20 ans le monde ça ou papa pi bon toujours moun commencer 40 ans commencer perdi comprendre. Comment c'est perdu quelle classe tu te gagne plutôt mon petit jeune bito. Et ben c'est une activité ça vagabond après régler. N'a pas continuer avec question participant yo. Bonsoir monsieur Fernando Estimé. Bonsoir. Non pas moi c'est Jean Gary Versi, étudiant en relations internationales au Centre d'études diplomatiques internationales et également jeune député pour la circonscription de Jacques Mel au Parlement jeunesse d'Haïti. Donc avant tout faut dire que ONG donc d'abord, c'est une association de bienfaisance. C'est-à-dire, présence sur son territoire, c'est pour le faire bien avec la population sur ce territoire-là. Et par rapport avec le dossier Oxfam nan, que nous avons débat là sous plateau, ben c'est que il y a deux défis majeurs que l'État haïtien, pas dit gouvernement haïtien, l'État haïtien, parce que l'État ne faut pas confondre avec le gouvernement. Donc l'État haïtien a dû relever deux défis majeurs. Donc, premier défi, c'est que nous avons 11 millions environ habitants sur territoire là qui c'est particulièrement qu'a dit le nœud gordien même de du développement haïtien que nous très mal utilisé qui fait que en pile là dans yo qui c'est bon grain dans bon créole là a déplacé qui était pays là que nous pas vraiment utilisé ben nous utiliser insuffisamment que nous t'a doué essayer pencher sous cas ça qui sont défis majeurs et deuxièmement c'est que c'est arrivé doté pays a donc perspective scientifique. Pour qui ça? C'est que actuellement, nous parlons de contrôle ONG, ça que nous pas arrivé gagner sous territoire là, mais c'est par rapport à qui ça? Gagner pile là où donc travail vient faire sous terre, nous gagner des instances étatiques qui au même tout agir dans le même sens ça tout, mais nous pas gagner des cadres véritablement que nous capable mettre pour faire coordination avec ça faire sous terre avec ça l'état ici gagner pour le faire. Sinon, cadres là, l'en mettre tout pour capable faire coordination. Soit
au niveau académique, moun ki yo gen comme expert dans ONG a boye yo parce que yo pa gen assez de matière ou du moins assez de bagage intellectuel pour capable essayer faire coordination. Moun za arrive toujours soit détourner attention yo pour que travail la fait dans même sens ça. Bon c'est que ces deux défis ça pour nous relever pour que problème ça que n'a soulevé là nous capable essayer résoudre à long terme. Donc deux défis yo n'a essayer de pencher sur yo c'est d'abord pencher sur 11 millions d'habitants que nous gen que nous très mal exploité, nous pas bon, pas dit exploité, nous très mal utilisé et ensuite doté pays a donc perspective scientifique côté que lorsqu'un étudiant ou fin investi pour lui dans l'université d'État d'Haïti après il fin faire licence, c'est pas seulement contenté de licence que il gagne qui dit que bon tout bagaille fini ou mettez là dans le ministère côté que il pral gagne pour faute avec des qui gagne doctorat pas connaît qui toujours gagne un degré en plus sous lui qui capable permettre que les lap font les lap intervenu donc il pas gain assez de matière pour qu'il capable contrecarrer et élément ça donc qui fait que les coordination doit faite entre l'État avec instances étrangères donc pas arriver gagner comme on dit ça pas avec un traitement d'égal à égal. Et bien merci pour intervention, on a continué. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et moi c'est Jacques Gagné Diobel, étudiant en relations internationales, Université technologique d'Haïti, Unitec. Moi-même, c'est dans la même logique que nous sommes capables de relayer et Sadrach Dieudonné, relayer, changer l'État. Nous devons institutionnaliser. Même gens avec étudiants sont élaborés sous l'ILA. L'État, en quelque sorte, les doit exister même après un gouvernement tombé, l'État est toujours là parce que l'État doit en quelque sorte pérenne. L'existence de l'État, qu'on y a là, c'est institutionnalisé, permettre que l'institution joue un rôle. Qu'on y a là, on a regardé dans le ministère et coopération et planification et de la coopération externe. Est-ce que pas de bon directeur de qui gère a fait ONGA? Et de 2011 à nos jours, qui ça que l'équité comme travail? On a regardé là, on nous fait une étude approfondie. Ce n'est pas seulement Oxfam pour nous garder, mais il y a pile l'autre bagaille par rapport avec la loi que nous manquons. On imagine que, prof, vous parlez de mineurs, mais ce n'est pas seulement mineurs qui sont victimes, mais nous n'avons pas de loi sous lit, parce que monsieur Patrick Laurent là ont été vulté par le Nouvelliste. Il faut qu'on ait que ou seulement car ils ont mon la justice pour détournement mineur, mais après ça prostituée a pas de loi. Cependant, on passe sous champ master chaque soir. Nous et mon surtout. Ah, par contre, sous passer non, même pas passer. Non, qui pas en quelque sorte, qui pas en quelque sorte une nouvelle. Mais nous doit en quelque sorte parce que loi yo doit adapter avec réalité nous. Mais je pense que l'État haïtien a un bagage pour que, en quelque sorte, on prenne ça. Merci, nous remercions pour l'intervention. Oui, merci. Bonsoir, professeur Fernando Essimé. Je suis Marken Love Gloire Gens Guerrier. Tu pas de nom, tu parles plus fort? Je suis Marken Love Gloire Gens Guerrier. Marken Love Gloire Gens Guerrier. Gloire Gens. Ah, Gloire Gens Guerrier. Je suis étudiant en relations internationales à l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Et aussi staff international Global Button Show, organisation non gouvernementale internationale. Donc on doit travailler avec ONG. Oui. Eh ben j'ai une question pour vous, mais parler, pas quoi vous capable vous dire. En fait, bien fait sujet a bien choisi surtout par rapport à la période ça et me capable dire que pour me capable commencer avec intervention là c'est que me capable dire majorité organisation. Et c'est bref. Ouais, majorité organisation qui gagne en Haïti c'est que c'est parce que l'État n'a pas fait travail qui fait ou impliqué. Donc, il vient faire travail que l'État n'a pas fait. Le problème, ce n'est pas l'organisation en soi, mais c'est l'État. Qui structure que l'État a mis en place pour permettre que une organisation capable de venir intégrer en Haïti soit dans un domaine bien déterminé. Organisation que moi-même, moi, donc, je partage le point de vue ça. Donc, c'est l'État qui n'a pas pris responsabilité. Il y a des côtés l'État absent. Ou qu'on a fait 35 km, moi je marche en pile dans le pays, elle fait conférence tout. Côté monde fait 35-40 km, je ne crois pas avec l'existence de l'État, je vais au tribunal, je vais au commissariat, je vais au rien qui dit que l'État dans la zone, c'est peut-être moi seulement là. Et on prend.
c'est le ciel pour tout le monde et puis nous-mêmes nous avons défendu d'être nous. Première expérience que je fais, c'est que nous avons travaillé dans une zone terre froide. Nous avons gagné. Terre froide. Oui, ils ont excusé. Quel département terre froide? L'Ouest. L'Ouest, ok. Ok. En fait, nous avons gagné pour nous aller Piclarcel, mon qui est en Haïti. Donc, les nous arrivons d'Ogrené, c'est que c'était une autre histoire. Comme si zone n'a pas gagné éducation, il n'a pas gagné une connexion ensemble avec la population. L'État n'a pas connu une section ça qui existait. Et type de ONG, les arrivés dans zone, ils font une implication de façon pas ou pas qu'il y ait un contrôle qui gagne sous institution. Le fait que l'État lui-même pas une structure, ou soit il pas directement connecté ensemble avec ONG qui prise en Haïti, ils même eu un champ libre, ils ont intervenu de façon que vous voulez, de façon que ouais qui a bon pour eux. Et surtout type de intervention majorité organisation ça a fait, c'est que ils ont besoin des preuves vivantes pour vendre sur à l'échelle internationale pour bailler de fonds. Mettez moun yo y a 20 misère moun yo. Mettez moun yo camper tout, yo faire photo yo. Moi même c'est premier monde qui t'est campé, à vrai dire que m'intégrer dans plusieurs organisations internationales. Un jour que m'étais parlé avec coordonnateur général là, m'étais dit du coup, si on continue à faire type de publication ça sur Instagram organisation tout près pour démissionner pour qui raison? Parce que m'ai pas comprendre que moi même en tant que jeune yon haïtien, moi représenter Haïti en dans organisation moi. N'a pas travail en Haïti et puis pour m'accepter que il y a publié un petit monde sale parce que li gen yon sachet manger nan mel pour aller laguer sous site organisation pour faire promotion pour lui. Et là frustration et gen pile monde k'ap koute là qui sûrement comprend frustration ça. Et c'est là même que moi même me poser problème parce qu'en Haïti surtout les un scandale passé, yo toujours dit mais qui ça fait et puis par la suite pas rien qui fait. Ça veut dire ça qui plus important pour moment ça c'est non seulement pencher sur dossier Oxfam non? Parce que et pas seulement Oxfam qui fait, il y a plusieurs organisations que moi même pas osé citer non mais qui intégré en dans type d'activité ça veut dire alors nous comprendre on est nous pas cabo tout le temps tout pas l'autre intervention ouais. Faite mais nous comprendre et merci d'être côté partager expérience que vous vivez dans ONG avec nous. Merci monsieur. Bonsoir, professeur Fernando. Bonsoir. Moi, c'est Jean-Donald Pierre, journaliste sportif. Jean-Donald Pierre. Journaliste sportif et étudiant à la faculté de droit. OK. Selon moi-même... Alors, nous menons espoir dans sa frontière, tout, vous selon moi-même, que loyo, c'est yo qui fait en société. Principe, yo. Si là, quand vous parlez principe, vous ne pas respecter yo. Ça veut dire tout simplement que, ensemble de articles qui parlaient sous ça... Pour moi-même, il y a pas parlé sous et organisation internationale. Mais en garder convention yo et qui ça au parler sous yo, ça est important. Maintenant, selon moi-même, organisation internationale yo, il va venir si l'État pas dit yo, pas au champ. Si l'État pas d'accord, il vient. Je comprends que chez Mbale répondre. Moi-même, Zamim, Ronald Blasius dans ma favelle, lui expliquer moi que majorité ONG qui a fonctionné ici en Haïti, c'est parce que c'est venu à être. Ça après, pendant qu'on a Haïti a fonctionné, on vient chercher autorisation. On va jamais rien même. Dis pas si je commence à le dire. Oui, ils ont venu. Ils ont confiné comment c'est comme ils ont venu. Ils ont continué. Puis c'est là, ils ont ici à reprendre. Ils ont tout à faire des marchés. Ça veut dire que son gargote que nous-mêmes en tant que citoyens. Bon, malagé mon gargote là, mon lagé tout le monde d'accord avant. Malagé mon gargote là, mon lagé. En tant que citoyens, nous devons parler sous ça. Nous devons faire débat sur ça parce que c'est la République dominicaine. Côté que nous avons mis des principes. Non, il est différent. L'autre bois, il était à faire, Zamim. L'autre bois, il était à faire. Mais ça veut dire que. Intervention. Ça veut dire en gros, l'État doit avoir contrôle et l'État doit faire appliquer la loi sur tout le monde. D'accord, merci pour l'intervention. Alors, l'autre bois, tout l'État a fait. La République dominicaine a fait pays. Donc, nous-mêmes, nous obligés de prendre destin, mais nous-mêmes, jeunes, ça a fait, jeunes, moins jeunes. Prendre destin pour nous faire un pays, pour nous faire un plus bon pays pour tout le monde. Nous devons construire un meilleur pays pour tous. Bonsoir, M. Fernando. Bonsoir. Et moi-même, en tant qu'étudiant en droit à la FDSE, Faculté de droit et des sciences économiques, moi-même, intervention pendant plus basée sur droit. Et concernant pour mineurs, il y a une loi qui régit ça. Et d'autant plus, c'est pour question prostituée, pas gain, certes. Mais. Le juge là, lorsque le juge là lui-même, comme si dossier a, moi je voulais pour dossier a rivé. Mais c'est bref, okay? Parce qu'il faut tout le monde parler. Parce que lorsque vous dites monsieur a été tchad, et puis il vient en Haïti, c'est que, pas de justice qui te rend pour l'activité qu'il t'a fait. Et il vient ici, il fait même bagaille là. Donc, moi je voulais pour poursuite là.
m'appelle pour dirigeant ou pour ministère là était à faire des tous les politiques ou bien etc. Mais faut que gon poursuite et là lorsque gon poursuite sûrement moun sa qui te kon poser ak la il pas poser l'encore parce que s'il te Tchad il vini il te fait ak la Tchad il vini ici il fait donc pas gain on poursuit le te Tchad donc moi me veux ici en Haïti gon poursuite faut nous commencer fort faut l'état commencer fort et pas arrêter à parler en pile. Mais il faut que nous agissions. C'est ça que je veux. Il faut que les gens qui commettent acte ça, il faut que nous punissions. C'est ça que je veux. Merci. En tout cas, alors, vous venez au tribunal là, au 9 février, avec maître de Jean-Jacques Gadvers en face. Parce que moi, avocat ferré. Oui, c'est ça. Ah oui, eh bien, merci beaucoup. Eh bien, en tout cas, gardez la position gouvernement, en gardez la position Aviol Fleurant, en écoutez Aviol Fleurant, dans Tibat Bouche Sano. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci de recevoir Sans Frontières à votre bureau, ici au ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Bonsoir Fernando, c'est un plaisir pour moi d'être accueilli et de saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de cette belle émission Sans Frontières. Vous êtes ministre de la Planification depuis tantôt 2 ans. Aviol Fleurant, c'est un nom qu'on a connu dans la basoche, et c'est un nom qu'on a connu comme un grand avocat, mais ministre de la Planification, une nouvelle fonction. Comment vous vous sentez de cette fonction? En fait, d'abord, j'ai accepté d'être ministre de la Planification et de la Coopération Externe avec humilité. Humilité en ce sens que la République m'a appelé pour la servir au plus haut niveau de l'État, et pour être un serviteur au profit de la population haïtienne. Donc c'est un honneur pour moi de servir mon pays et d'avoir œuvré dans l'accomplissement d'une tâche assez noble avec humilité et surtout avec dignité. Le ministère de la Planification et de la Coopération Externe est un des ministères les plus importants du pays qui gère les portefeuilles de projets. Donc vous êtes pratiquement le monsieur qui est en contact direct avec les bailleurs de fonds qui négocient pour Haïti. C'est celui également qui arbitre principalement les différents projets, programmes. Vous êtes en relation avec les différentes organisations de coopération. Alors comment ça se passe entre vous deux, entre du gouvernement haïtien et les bailleurs de fonds internationaux? Je dois dire que le ministère de la Planification et de la Coopération Externe, c'est un bel oiseau à deux ailes. Un oiseau qui vole dans le ciel de l'investissement, un oiseau qui voit les monts merveilleux du développement pour un pays. La planification du développement, l'aile gauche, la coopération externe, l'aile droite. Cela veut dire quoi? Dans le volet de la planification du développement, on s'occupe de tout ce qui a rapport au système national de la planification du développement. Et à l'intérieur de la planification du développement, il y a le SNIP, qui est le système national de l'investissement public. C'est pourquoi dans beaucoup de pays, le ministre de la planification est appelé le ministre du développement. C'est lui qui s'occupe de l'investissement public, qui est responsable de la conception des grands projets prioritaires de l'État. C'est lui qui met le cap sur les grands axes du développement, sur le moyen et surtout sur le long terme. Ainsi, dois-je vous dire, il est aussi responsable de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire est un domaine sur lequel repose le développement du pays. Il ne saurait être question de développement sans identifier les grands pôles économiques du pays, sans tenir compte du fait que Haïti se situe dans une trajectoire cyclonique et dans un bassin sismique. C'est en raison de ces menaces que l'on peut pactiser avec le développement. Le volet de la coopération externe doit dire que ça traite de la coopération internationale pour le développement. Mais ça, on doit tenir compte du statut du pays. Il y a des endroits où la coopération externe a pratiquement disparu, en ce sens que, une fois projeté sur le développement, le pays n'a vraiment pas besoin de l'aide externe pour pouvoir avancer. Haïti est un pays sous-développé, le seul PMA de la région,
C'est sûr que l'aide externe ne finance pas le développement, puisque ça se circonscrit dans l'humanitaire et certaines fois dans l'assistanat. Aujourd'hui, nous avons un nouveau leadership dans le pays. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a instruit le gouvernement qui a à sa tête le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour que l'on emboîte le pas avec les grands projets prioritaires pour engager le développement du pays, mais suivant un nouveau paradigme de coopération. Et quand nous parlons de nouveau paradigme de coopération, Fernando, dois-je dire que si on fait le constat de ces 30 dernières années, ou qu'on regarde l'aide reçue, on a reçu plus de 15 milliards de dollars américains de 1994 à aujourd'hui. Mais si vous regardez l'impact de l'aide sur le social et l'économique, l'impact est tout à fait dérisoire. Donc, mais pourquoi il n'y a pas un impact social fort? Pourquoi il n'y a pas un impact économique qui puisse booster le pays? C'est parce que l'aide externe n'a pas été alignée sur les priorités du gouvernement. Aujourd'hui, le président de la République a institué un nouveau paradigme de coopération pour que l'aide externe s'aligne sur les priorités de l'État. En ce sens, le partenaire technique et financier ne peut pas venir en Haïti et dire que son aide est orientée vers tel pôle, vers tel domaine, vers telle aire, si ce n'est pas la priorité de l'État. Parce que si c'est en raison de la priorité qui est inscrite dans les lois de des priorités qui sont inscrites dans les lois de finances de la République, qui sont inscrites dans les plans triennaux d'investissement et qui s'articulent autour du plan stratégique de développement d'Haïti, c'est en raison de cela que l'on puisse aller vers le développement. Ce ministère est réputé pour être l'un des ministères qui dispose des cadres les mieux formés du pays. Je peux citer un exemple, quelqu'un qui n'est plus là, M. Grandpierre. Donc c'est un ministère important et ce ministère a toute son importance au regard de l'architecture développementaliste du pays. Ce ministère, doit dire, regorge les cadres les plus qualifiés de la République. Je suis arrivé ici comme ministre quand je vous ai parlé d'humilité. Je me suis mis d'abord à l'école des directeurs techniques. Ils ont la connaissance de la planification du développement. Ils ont le savoir de la coopération externe. Je ne me suis jamais basé sur ce que j'ai en tête, comme en ma qualité de professeur d'université, titulaire de deux masters en droit international européen des droits fondamentaux, en droit international et comparé de l'environnement, ou doctorat de l'université de Laval, pour prétendre pouvoir, dès le premier moment, comprendre et assimiler la planification du développement. Le premier devoir du serviteur est d'être humble, de servir son pays. Ils ont la connaissance nécessaire. Et avec eux, je finis par engager le pays aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle le SNAP, le nouveau schéma national d'aménagement du territoire. Et en tenant compte des priorités, en tenant compte des forces du pays, des potentialités des régions, des menaces et également des risques, c'est en jonglant avec les potentialités, avec les risques et les menaces, que l'on puisse planifier le développement. Mais c'est grâce au cadre que nous finissons par le faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de doter tout le pays de ce nouveau schéma national d'aménagement du territoire qui sera acheminé au Parlement sous forme de loi pour que les collectivités territoriales, les mairies, les CASEC, qui sont des administrateurs nés des collectivités, puissent avoir un outil suivant un zoning territorial pour dire voilà les zones habitables, voilà les zones cultivables, voilà les zones de protection spéciale, voilà les zones économiques capables d'attractivité financière et d'investissement. Et aussi donner un outil fort aux collectivités pour pouvoir orienter la population suivant
les données inscrites dans le plan stratégique de développement d'Haïti. En parlant de suspension, moi je peux vous dire que je suis au courant qu'il y a des ONG qui ont fonctionné ici en Haïti pendant 1, 2, 3 ans sans autorisation de votre ministère. Donc comment se passe le contrôle? Je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs types. Il y a les organisations non gouvernementales, les ONG proprement dites. Il y a les fondations, il y a les associations. Quand on fonctionne sous couvert de fondation, on dépend du ministère de l'Intérieur. Quand on fonctionne sous couvert d'association, on dépend du ministère des Affaires sociales, on ne dépend pas de moi. Certaines fois, des associations ou fondations fonctionnent sur le territoire, on leur donne le qualificatif d'ONG, tandis qu'elles ne le sont pas vraiment dans le sens légal du terme. Moi, une ONG ne peut pas fonctionner sur le territoire de la République sans la régulation et le contrôle du ministère de la Planification. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes en train d'éditer ce qu'on appelle le répertoire national des ONG. Et ce répertoire, dans ce répertoire, il y a la liste de toutes les ONG reconnues et admises à fonctionner sur le territoire de la République. Ce répertoire va être acheminé à la presse, aux partenaires techniques et financiers, au gouvernement, aux CASEC, aux collectivités territoriales, aux missions diplomatiques et consulaires d'Haïti à l'étranger, aux coopérants. Et si une ONG dont le nom n'est pas inscrit sur la liste de ce grand répertoire, eh bien, on vous chassera et on mettra l'action publique en mouvement contre vous. Alors, pour venir au scandale touchant l'organisation non gouvernementale britannique Oxfam, moi, j'ai remarqué deux points. La première chose, c'est que le scandale, les faits qui sont maintenant confirmés ont eu lieu en 2011. La population haïtienne a pris connaissance de ces faits après le carnaval de 2018. Donc il s'est passé pratiquement 7 ans avant que la nation haïtienne s'est rendue compte de cette situation et les autorités haïtiennes ont été informées également que par l'article du journal britannique du Times. Donc il s'est passé 7 ans avant qu'on sache ici en Haïti ce qui s'est réellement passé. Donc en parlant de contrôle, comment se passe ce contrôle, a priori, a posteriori, comment se fait ce contrôle? Très bien. D'abord, la loi établit la manière et les mécanismes de faire le contrôle. Le contrôle se fait en fonction de la programmation des activités. Et le contrôle se fait en raison du rapport soumis pour dire voilà comment on a exécuté l'argent. Mais la loi n'a pas prévu les questions d'exploitation sexuelle. Je peux vous dire que les questions d'exploitation sexuelle sont extra-légales, mais sont connues aujourd'hui grâce à Dieu. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a des cas de harcèlement sexuel. Il y a des cas d'exploitation sexuelle qui sont connus aux États-Unis d'Amérique, en France, au Canada, après 20 ans. Après même 25 ans. C'est-à-dire que ce sont des faits qui ont été cachés, dont on a ignoré l'existence. Cela peut arriver. Mais cela ne veut pas dire que des faits de harcèlement sexuel ou d'exploitation sexuelle connus aux États-Unis cette année et qui ont été perpétrés 20 ans ou 15 ans auparavant, cela ne veut pas dire que le système américain est un système failli. Non. On le connaît aujourd'hui. Les faits se sont avérés. Et c'est pourquoi nous avons été très sévères à l'égard d'Oxfam Grande-Bretagne. Oxfam Grande-Bretagne a eu la connaissance des faits depuis 2011, a fait un rapport et dans ce rapport, des témoins ont parlé. Ceux-là qui ont commis les faits d'exploitation sexuelle et d'abus sexuels ont reconnu la véracité des allégations à eux reprochées. Oxfam, Grande-Bretagne, admise à fonctionner en Haïti, a alerté Londres, mais a caché les informations à l'égard des autorités haïtiennes. Et lorsque Oxfam rive caché information sa yo sous exploitation sexuelle, sous abus sexuel, eh bien Oxfam fait ça nous relé obstruction à la justice. Et elle cache là, Fernando, lui permettre à ce que les bourreaux, les prédateurs sexuels, yo couri quitter pays. Et Oxfam même ba yo recommandation pendant qu'il a quitté Oxfam Grande-Bretagne pour y aller travailler dans l'autre organisation internationale. Et là, ce faisant, Oxfam a permis à des prédateurs sexuels qui ont commis des crimes sur le territoire national de s'évader. Et ensuite,
Ou ça me commet un autre fait qui grave. L'elle permet yo aller. Li entraver droit moun ki victime yo à en réparation civile par devant la justice. Donc Oxfam Grande-Bretagne s'est fait complice de d'obstruction à la justice et d'entrave au droit des victimes à la réparation. Et ça fait des détournements de fonds. Car si certaines personnes ont été payées avec des fonds alloués pour des victimes du séisme, donc il y a eu détournement de fonds, même si ça, ce volet-là concerne plus du côté britannique. Ce lien reste à être établi. En toute vérité, en toute franchise, moi, pourquoi établissent le lien entre l'argent reçu et les faits d'exploitation sexuelle? Ça que je connais, c'est que les abus et exploitation sexuelle, ils commettent en dans résidence. Que vous payez, vous payez Oxfam l'argent pour que ça paye Kaysaï. En dans résidence. Directeur pays Oxfam, non? Et en dans guest house expatrié. Ça veut dire que les locaux d'Oxfam ont c'était local utilisé pour la prostitution, pour la pornographie et la pornographie. Maintenant, ceci est une atteinte grave à la dignité du peuple haïtien. Comment comprendre que en 2011, yon pays à genoux, yon peuple qui a crié au secours à l'humanité tout entière, yon peuple qui près de 200 000 mouris, plus passé 120 000 cas écrasés. Au peuple désolé, près de 1 500 000 mouns dans la rue en battant. Et puis, derrière les rideaux de l'humanitaire, qui s'accap commettre, c'est des crimes sexuels. Eh bien, je peux vous dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai frappé durement Oxfam en la suspendant temporairement pendant 2 mois, pendant ce dommage pour continuer l'enquête là. Mais je n'écarte pas. Je n'écarte pas une aggravation de la sanction. Mais j'ai oublié de dire que Oxfam ne fonctionnait pas réellement en Haïti depuis près d'un an. Oxfam est appelé à rectifier parce que là, c'est un pur mensonge. Et je vous donne la vérité, vous avez la primeur Radio-Télé-Caraïbes, des primeurs là. Oxfam America, qui est différent de Oxfam Grande-Bretagne, année dernière, écrit en 2017 pour demander le statut de non-opérationnel. Ce n'est pas Oxfam Grande-Bretagne. Ah, ok. Oxfam Grande-Bretagne, de son côté, écrit en 2017, côté, il fait programmation pour toute année. J'ai entendu les dirigeants d'Oxfam, il y a un projet actuellement qui a été exécuté, donc il y a en plein état de fonctionnement, et c'est pourquoi j'ai parlé à Franz Duval de Le Nouvelliste pour lui dire sa source n'est pas crédible. Alors, dirigeant Oxfam de déplacer Vinici en Haïti, nous ne pouvons pas répéter ça aux gens privés, mais est-ce qu'il y a des engagements clairs qu'on prend auprès de nous-mêmes que y a sévi contre Zaxa, si Zaxa t'a répété un code employé? Je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de leurs employés qui t'avaient violé le code d'éthique Oxfam. Mais nous autres, en tant que gouvernement, nous prendrons telles mesures que de droit pour restaurer la dignité du peuple haïtien. Mais ce n'est pas seulement Oxfam. Il y a d'autres ONG actuellement là qui m'a mené enquête sur eux et il a commencé à défiler à partir de mardi, jeudi et vendredi de la semaine prochaine. Il y a Vénitien. Parce qu'il y a des suspicions et allégations d'exploitation sexuelle sur YouTube et la presse en sera tenue informée. Nous avons l'autre article qui est écrit dans le livre Melfroissa qui parlait de Food for Sex qui t'a fait sous champ de masse pendant mon en bas. Il y a des gens qui viennent par l'aide, ou des qui viennent par l'aide, qui disent pour qu'ils ont fait un sac de riz ou un sac de farine, faut que les gens couchent avec eux, qu'on prenne l'allégation. Et ça concerne notre ONG. Ces ONG vont être appelées. Nous continuons l'enquête et nous saisirons le ministère de la Justice, le cas échéant, à tel fait que de droit. La dignité de peuple n'a pas de prix. Certainement. Le président de la République l'a dit. Cette atteinte grave à la dignité du peuple haïtien sera certainement payée. Alors, dossier ONG, ça mène nous faire un dossier global. Pour qui ça a grandi l'ONG quand vit en Haïti? Est-ce que c'est parce que l'État a manqué, bon vacuum, l'État a quitté ou bien l'État pas présent dans quelques communautés?
l'État obligé de quitter Mounsao, faire rôle l'État parce que l'État n'a pas capable de Mounsao au service. Est-ce que ce n'est pas ça qui cause ONG au travail? Pas grand ONG qui a fait rôle l'État. Regardez ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. ONG, c'est l'aide humanitaire. Bon, me lève bah, la pyro, bon, prend les partenaires techniques et financiers. Je prends l'exemple de la Banque interaméricaine de développement, par exemple, qui a fait route Kai Jérémy, 300 millions de dollars américains. Vous comprenez? Le kilomètre de route, au minimum, coûtait 1 million de dollars américains. Et nous-mêmes, nous avons fait, dans le cadre de la caravane, 300 000 dollars américains le kilomètre. Regardez cette grande supercherie. Et en termes de qualité, ça n'a rien à envier. Parce que dans la nature haïtienne, on trouve les éléments chimiques, les éléments nécessaires pour construire les routes. Le gabion. Nous avons, le président a réparé les usines d'asphalte. Le président l'y mettait dans toute direction départementale des bulldozers, des scrapers, des matériels lourds pour permettre que le développement puisse se faire en régie. Aujourd'hui, garde sa cap faite de Kafoujouf à Port-de-Paix, à Ansafoleur. On route depuis l'existence de l'État, pas jamais touché asphalte. Je ne veux dire, président, gouvernement, pour le bien du peuple haïtien, a pas asphalté. Mais si nous tapons, par exemple, cette comparaison, en tant que gap sorti des partenaires techniques et financiers, et ce que l'État est en train de faire, la différence est énorme. Un kilomètre de route, 10 ans de cela, t'es coûté entre 2 millions et 3 millions de dollars américains. Aujourd'hui, c'est 300 000. Regardez combien de manques à gagner. Regardez combien de pertes éprouvées. Regardez comment, avec ce dont on dispose aujourd'hui, à travers la caravane changement, ce qu'on est en train de faire pour le bien du peuple haïtien. Donc, ONG, pas qu'à remplacer l'État. L'État, journée, jeudi, en ligne, l'autre leadership. Gouvernement a peine signé accord avec FMI pour probablement s'agir mon répéter pour café, cache la frontière, rentrer parce que partenaires commerciaux n'ont pas envie de décaisser l'argent. Comment ça y est avec différents partenaires, différents bailleurs de fonds, bien que ce soit l'Union Européenne, dans un fonds de développement que l'Union Européenne est capable de faire pour les partenaires commerciaux ou bien votre partenaire pour les États-Unis, Canada, BIM ou bien mondial. Comment ça y est? D'abord, ça évolue très bien. Je peux vous dire que nous faisons partie du système des Nations Unies. Si nous faisons partie du système des Nations Unies, les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, ce sont des institutions du système des Nations Unies. Et si Haïti est membre fondateur des Nations Unies et nous faisons partie de ce système, sur le plan du développement économique et social, c'est normal que nous puissions avoir un accord avec le FMI. Bientôt, il va y avoir un appui de l'ordre de... pas le premier déquissement de près de 30 millions de dollars américains. De la part de quel partenaire? Je crois que c'est la Banque interaméricaine. Okay, de la BIM. Je pense que c'est l'Union Européenne. L'Union Européenne. Le cadre du 11e FN? Oui, c'est l'Union Européenne. Donc, c'est Fonds Européen de Développement. Oui, clair. C'est l'Union Européenne. Mais les autres partenaires vont aussi contribuer. Donc, mais ça que nous besoin, comme ça, c'est pas un com qui prend les gens ouvrés là. Sont comme côté nous dit, mes priorités nous, mes côtés pour l'aller, pour le peuple haïtien et pour engager le développement de ce pays. Alors, moi, par contre, si diplomate nous dit ça, mais dans un compte privé, diplomate ici au Grand Pays, diplomate qui bon j'en font un petit parce que très souvent, message là, bon j'en passe et vous comprenez, et mes messages là, il y a des enveloppes, les médias, il y a des diplomates qui ont dit j'en plein pour ton gouvernement, pour un lieu, il n'y a pas de problème. Le gouvernement a toujours fixé priorité, c'est bien, mais le ton est un peu, on prend le ton en route et trop. Est-ce que le bataille bon pour nous, petit genre, puis diplomate dans prise de position, parce que les diplomates ont un offre, alors il ne va peut-être pas dire en public. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est le peuple haïtien pour qui prend destin en main. Et c'est une raison que le mettait en monde au pouvoir qui bénéficiait du suffrage universel. À la personne du président Jovenel Moïse. Nous avons un gouvernement qui a une mission pour accompagner le président pour réaliser la vision. Je vous dis, un bon exemple, 30 ans auparavant. 30 ans auparavant, qu'était-il advenu de l'aide externe? Quel est l'impact? Zéro. Quel est l'impact sur l'économie et sociale? Quasiment nul. Je pense que si nous créons un nouveau paradigme de développement, ce n'est pas une question de temps. C'est une question de dire, voilà où nous voulons aller.
Le président Paul Kagame, Fernando. Au Rwanda. Rwanda. L'a fait. Aujourd'hui, Rwanda est un pays qui s'articule autour du développement économique et social. Mais s'il n'a pas été question d'une main de fer dans un gant de velours, ce développement que connaît le Rwanda aujourd'hui, il ne le connaîtrait pas. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de nouveau paradigme de développement. Parce que je vais vous dire une chose. Comment comprendre que vous me dites que au Guéon comme que vous alloué à Haïti pour le développement de ce pays, et puis comme ça, ça a l'étranger l'hérité, et puis c'est de temps en temps où vous voyez le compte-goutte. Désormais, nous avons une loi, nous avons arrêté présidentiel qui institué la BNC comme guichet unique au grand projet. Projet RC, il vaut 3 millions de dollars américains par exemple. Comme l'a pas pris de l'autre bord. Là, pour projet à fait, faut comme l'a entré en Haïti et l'a déposé dans ce guichet unique. Donc, est-ce que nous avons garanti que le système financier est assez solide pour faire ça? Assez solide, parce que s'il n'est pas solide, nous avons gagné un problème avec les institutions internationales. Mais nous n'avons pas gagné un problème avec les institutions internationales sur les questions bancaires. C'est que nous sommes en marche pour le développement. Et je vous dis, nous sommes clairs là-dessus. Le président de la République est clair. Chaque centime collecté au nom du peuple haïtien doit être dépensé au nom du peuple haïtien suivant un paramètre de gestion axé sur les résultats et surtout de reddition de comptes suivant la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement. Je vous remercie. Eh bien, Kounia, la recevons l'autre participante. Bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir. Non, Pam, c'est Matt Arly Dorsey, diplômé en relations internationales à l'Université Paulista au Brésil. Moi, c'est un appel que je voulais faire à l'État haïtien. Par exemple, dans la génération PAN, nous-mêmes qui jeunes, il y a un pile jeune qui formé. Par exemple, pour nos cas de moi-même, moi formé à l'extérieur. Moi, c'est tout un plaisir pour moi pour me retourner, pour me mettre mon service de pays. Mais nous avons besoin de plus d'encadrement. Et une approche que moi je voulais faire encore, c'est y a un autre problème à part de bail sexuel, mais il y a un problème que nous même si nous voulons former un État, nous voulons former un pays. Dans tout pays, par exemple, monnaie courante, c'est monnaie pays. Avec arrivée organisation après tremblement de terre, nous avons un phénomène qui est développé, côté c'est en question de dollars. Là. C'est un problème qui vraiment handicapé nous. Non, sur le plan économique, par exemple, au jour le jour, tout ça pas acheté, ou à toucher en goud, ou à travailler en goud, mais sans dollars. Moi, je t'ai demandé pour l'État haïtien de penser sur ça. Par exemple, là, au Brésil, sur tout territoire brésilien, là, sont celles monnaie. Quitte son organisation. Quitte son organisation qui vient, mais c'est réel pour lier, il n'y a pas qu'à l'autre monnaie. Qui donc, en nous formant un État, tant qu'on même qui fait appel là, m'a continué à faire même appel là, en nous formant un pays, en commençant par ça qui est basique. Yo. Par exemple, comment nous allons résoudre le problème ça pour gagner une seule monnaie courante sur le territoire? Mon cher Ito dit ça. C'est pays, c'est monnaie à son preuve. On attribue même de souveraineté des pays. Nous sommes le passant rasmisé Milan. Nous sommes dans le match San Siro. Nous de taxi à même baguette, euro encore, dans la valise moins. Mes amis, prends taxi à pour 30 euros. Je vais aller à 100 dollars américains. Je vais aller à 100 dollars. Je vais 100 dollars liés, elle a fait plus que 30 euros. Je dis, ça n'a pas besoin. Monsieur prend, monsieur dit, mon cher, est-ce qu'on a 4 dans le poche? Je dis, mais toutes 4, c'est 4 américains. Je dis, c'est pas un problème. Monsieur prend lui-même dans la bonne connerie pour mal faire ou être sous 4 de crédit pour changer l'argent pour moi, pour mettre en euros. 30 euros, elle a fait environ 36 ou 37 dollars américains. Je vais aller à 100 dollars américains. Monsieur dit, wow, ça va causer à ça. Comme ça, je ne suis pas baisé. Je dis non, non. C'est héros, nous servir là. Je dis, mais, monsieur, après, il fait n'importe 15 minutes de camper devant une connerie. Il y a tant de moins pour moi payer en euros. Parce que il dit, je paye là 100 euros, il servit dollars, ça va concerner. Il n'y a pas besoin de s'il plus, s'il moins. Il y a besoin de 30 euros, 30 euros. Et ça, il va te faire attendre parce que le pays, ça aussi sous compteur taxi. Et malgré ça, monsieur, quand il fait 15 minutes, là, quand il va mettre un bout de souli. Je dis 30 euros là, le baiser, il va baiser plus que ça. Bal 30 euros, 100 dollars américains, mettre fait comme on avait, pas bon ici à papa, c'est Milano, c'est Saint-Jolier, c'est Milano, liés en même. Il y a des problèmes chaque jour avec tous les américains.
Là où vient visiter il Duomo, il Duomo qui son gros cathédrale qui était bah la dorée presque pratiquement énorme quoi. Et puis public américain toujours venu, les touristes américains toujours venus. Donc il tout un problème avec eux. Ils depuis ça américain, depuis comme on n'a pas l'anglais, pas envie prendre. Il pense que c'est quelqu'un l'autre côté me sorti, ou même noir, mais il va te connaître tout ça américain, mais il tout un problème avec eux. Il pas besoin de là. Il va dans causer mon apprendre nuyer l'emmerder la dola. Et mes pays c'est comme ça pays fonctionner. Nèg la pas capable fonctionner dans pays là et puis pays on pas retendre dans maquette. Ou en Haïti, là, Port-au-Prince, là, ou t'en dis ces dollars. L'on finit, l'on dit c'est good ou rien, d'où la bon taux conversion. Sauf que taux conversion, le bon là, li pa gen rapport avec taux BRH là. Bon, semaine, c'est pas gen côté me fait coller comme ça passe la banque. Yo écrit dans la banque là, yo dit, mais taux BRH, taux de référence là, et puis là, on finit, yo dit, mais taux pa yo. Yo dit, mais taux BRH, yo écrit, mais kounya, yo dit, mais taux pa yo. Taux BRH et puis taux de l'autre banque. Dit, bon, kounya, mon game. Kounya moki ap mokem kounya ki yo mete to a afiche le ou fini yo di men on lot to li pa ka konsa li pa ka fèt konsa. Et bien nou rive nan moment pou nou pran deuxième pause nan émission Sans Frontières ap tourne tout de suite après pause là. Sans Frontières rendre les affaires internationales simples et accessibles. La série plusieurs par provocation de Donald Trump est dans la tête. Le président Maduro joue la provocation. Qui sera à nouveau la première puissance. Sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir Bagdad, Damas. Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État fait. Sans frontières. Pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé-Caraïbes, la chaîne 22. Sans frontières retourner après pause là pour nous continuer débat sous causé ONG ça yo nous tendez réaction des jeunes étudiants jeunes fonctionnaires tant que Martha Lee ou bien l'autre monde sous plateau a, et nous tendez réaction autorité yo donc qu'on y en a continué tout avec les questions participants yo vous êtes bonsoir monsieur estimé bonsoir c'est docteur David Gérald Poultre docteur David Gérald Poultre Gérald Poultre. Moi-même, ça me tape dit non. Docteur Paul. Docteur Paul, ça me tape dit non. Sujet, ça c'est que son sujet qui est vraiment intéressant. Au contraire, nous t'ai dit que nous avons occasion en or pour nous tout pour profiter, régulariser tout fonctionnement ONG. Parce que ça qui veut Oxfam là sont belles leçons t'as qu'à nous faire servir avec ça pour nous tout profiter. Mais nous prenons leçon quelque temps. Est-ce que leçon servi nous bagaille nous-mêmes comme haïtiens? Chaque bon. Jour nous prenons leçon. Moi nous prenons leçon mais nous relevons bien. Mal mentalisé fonctionnaire ou même où c'est docteur. Donc si on est cadre bien formé, même moi nous prenons leçon mais nous relevons nous remettons théâtre. T'as qu'au moins médile. Finalement, dans le pays, ça nous presque vient des bêtises professionnelles. C'est bêtises seulement à faire, c'est théâtre seulement à faire. Oui, parce que ça qui est important, c'est dans tout pays, toujours un fonctionnement. Au cas, bon, j'aime fonctionner, il y a une règle pour fonctionner. Donc, le pays, ce n'est pas comme si c'est même j'aime ta case, c'est un terrain de football. Il y a un joueur, mais il y a un code, il y a une règle pour jouer de la fête. Donc, on ne peut pas choisir pour ONG venir et puis pour la fonctionner n'importe qui. Donc, il faut tracer des faut un plan que l'ONG a suivre. Il faut l'État contrôler. Il faut que l'État contrôle l'ONG surtout. Non, c'est comme si faut que l'État supposé contrôler ça. Parce que si pas un contrôle, donc il a fait ça ou voulu. Et puis, contrôle là tout. Pendant qu'on dit ça, docteur. Docteur, faut l'État connaître qui est-ce qui a entré sur le territoire tout. Nèg la condamné aux États-Unis pour viol. Li condamné aux États-Unis pour causer détournement minier déjà. Nèg la gen 16 18 ti moun li viole déjà et puis il vini ici c'est li couvri ka e ka pouvri orphelina pour prendre et puis dans zone nan moun yo tra les oui gon blanc vin la oui blanc vini blanc bay bon service oui blanc ba nou tout manger on regarde li oui nou pral bon sou li et puis tout moun nan zone nan prend petit yo menen kay blanc dit il gen orphelina ni ti moun ki gen maman mouri ni ti moun ki gen parent vivant yo voye bay blanc yo di blanc sont égaré mais les blanc vin faire orphelina li même. Blanc c'est aux États-Unis le mal pour joindre, si viennent fraîche, si viennent au lit. Pendant la baille manger a, et bien le baille manger à la journée, et puis les soirs tout le tour gué des amuse-gueule disponibles. Qui donc là n'a baille mon ti moun, nous faut qu'on ki moun n'a baille ti moun yo, c'est parce y a fond ti moun yo pour nous chaque soir. Faut nous qu'on ki moun n'a baille ti moun yo, nous pas connait nous plus vivant, nous plus fort que tout le monde. Nous pas ti moun n'a parent là, les deux parents n'a baille dans orphelin, pas gué deux parents baille orphelin, pas orphelin. Mais haïtien toujours fol bon sou on lot. Haïtien toujours quoi le pi intelligent que moun ki en face là. Des fois pas pi intelligent non, c'est mal ou mal ouais. Ou par contre qui ça l'autre moun nan besoin, on pense c'est pi intelligent
c'est comprendre, li mette le pas comprendre parce qu'il même connait qui ça le besoin. Les besoin qui viennent 16 ans, qui viennent 18 ans. T'en as l'un pour un I-45, un I-50, il prend 3-16. Pour le faire normal, là où il prend 3-16. T'en as l'un pour un I-45, I-46, il prend 3-16. Eh bien, c'est manger pour de Bali. Il va dans le côté chercher femme encore. Il va au manger, il y a une petite poule là pour manger. Et bien, les soirs, tout le tout grand dormi. D'ailleurs, il y a le plaisir. Qui donc, par un cause, il y a une période, il y a une menstruation. Il y a une disponible pour lui en permanence. Donc, il faut l'État fouiller, j'ai gardé dossier ça. Il faut l'État garder, causer ça. Pays a pas tout non savant. C'est bon savant. Il y a son république, quoi faire république, ça fait c'est la loi. Faut pays a chita soubite la loi. Oui, docteur. Je pense que c'est le temps pour nous prendre responsabilité. Parce que actuellement, on n'a pas qu'à dire que c'est ONG qui va le faire fonctionner. Donc, ONG, c'est vrai, nous avons besoin d'ONG pour fonctionner parce que ONG a grand rôle joué dans un pays à l'important. Mais tout, faut que nous, c'est nous qui habitons là. Donc, avis, nous, c'est dans nous liés. Non, là, dis-nous, on parle d'autorité, l'État qui habite. Autorité, oui, l'État. Moi-même, c'est chaque 5 ans, à grain de vote moyen, m'a proposé une question. Chaque 5 ans, à grain de vote moyen, m'a proposé une année. Si tu fais moyenne 6 ou fais moyenne 6, ou qu'à repasser. Mais si c'est 2-0, vous mettez beaucoup de tout, vous avez ton 0, bien me dire remise à ses parents. Merci beaucoup, je n'ai pas besoin encore débiter. Merci beaucoup, je n'ai pas besoin encore sénateur. D'accord, merci docteur. Bonsoir, messieurs estimés. Bonsoir. Bonsoir à tous les participants. Moi, c'est Pierre Milka, journaliste et PDG Milka Magazine. Ah, au bon magazine. Merci. Ok. Je pense que c'est son bel thème. Mais je pense que ce n'est pas profiter des moments, ce n'est pas profiter de ça, bon non, mais c'est penser avec conséquence. C'est vrai que vous avez fait un orphelinat, mais qui ça l'État ici? Qui ça dans la commune, qui ça la mairie? Qui ça la cherche qu'on est? Qui ça que tu as gagné avant? Qui ça pense que. Faut répondre à besoin. L'État, c'est l'État pour définir quatre salles besoin. Mon avis, il y a très souvent 10 pour nous faire même bagaille. Oui? Il n'y a pas répondre avec sa priorité gouvernement besoin. Gepé en Afrique met ONG a dit ou mouchon pas répondre à priorité gouvernement. Merci beaucoup mais la bagaille ou. Ou imaginons nèg la tout temps la bobal pépé. Tout temps la bobal pépé mais craser toute production. Gen des moun ou pas joine encore. Non mes amis, les petits moun te connent jeune boss taille cap bam quelques bout de pantalon bam toute toile moins dans pantalon. Mais kounya c'est des métiers inexistants. Cordonnier, son métier inexistant ici. Gon paquet métier disparaît parce que on cherche un paquet bagaille ou pas besoin. Ou vinn tout non dépotoir. Ou m'a dit moi oui, ou vinn tout non vaste dépotoir. Mais haïtien tout yo préfère utiliser ça qui vini yo c'est nous grand peuple qui aime ça nous sommes pas acculturés nous préférer ça qui vini yo que ça la caille nous mais j'ai l'impression mon yo pas jamais caille bon ça al bay coup d'encore yo préférer acheter pépé sorti l'autre côté mais me penser peuple haïtien ici la grand ONG qui a vini me penser c'est con côté mon sorti que ça te fait avant li entrer dans pays aux communes merci alors scandaleux femme non li touche organisation en pile et ça fait des dégâts en termes d'image pour organisation. Régie va poster quelques slides pour nous. Régie en aller dans sous slide yo parce que Oxfam lui même gen moun ki konn ba Oxfam cob ki di Oxfam s'il te plaît pote comme moi tourner ba moi parce que m'pa capable comme pour le pays prostituer hein. M'pa capable. Le chef de l'État haïtien dans même Twitter et Jovenel Moïse t'ai fait, lui rappeler combien peuple haïtien reconnaissant. En fait, tout le monde qui est venu aider nous normalement, vrai, pas quelqu'un qui est venu aider nous dans bon cœur, vrai, c'est pour tout le monde qui est venu là. Moïse tout précisé que ça que fait là, son bagage qui est odieux, son bagage mal pour honte, son bagage vagabondage, pour nous ramasser l'argent, dans la côté où nous devons aider Haïti, et puis pour financer des crimes sexuels. Nous avons continué toujours avec Slideo. Directrice adjointe ONG à Penny Lawrence démissionné, parce qu'elle dit, bon, c'est vrai, elle n'a pas réagi à temps pour ça qui passe là. Ni Tchad ni en Haïti mais la caïman la tibonite n'a djou excusez pas guéri malade madame ne va pas prendre ça dans mon dédine non ne va pas prendre dans mon non excusez pas guéri malade n'a continuer régie ça c'est Desmond Tutu c'est archevêque sud-africain Zami Nelson Mandela qui t'est prix Nobel la paix qui était ambassadeur bonne volonté ONGA Desmond Tutu dit moi même fin grand monde me fin gain non déjà me fin pas ca quitter mon utiliser nom pour vagabond al prend plaisir à mesdames et moi même gal ramasser l'argent Desmond Tutu là avec Barack Obama t'a honoré médaille d'honneur présidentielle donc il t'a honoré donc son qui gagne gros nom dit mon cher m'pa quitter nom vinn me la causer comme ça Hélène Evans qui c'est directrice prévention interne entre 2012 et 2015 dénoncé par exemple dans une interview t'a bail sur Channel 4 qui sont gros chaîne britannique l'existence d'une culture d'abus sexuel au sein de certains bureaux. Le dit ça fait là c'est pas on va isoler son bagage qui toujours a fait son bagage qui a fait tout le temps elle a fait état de viol
ou tentative de viol au Sud-Soudan ou d'agression sur des mineurs bénévoles dans des magasins tenus par l'ONG au Royaume-Uni. Donc ça qu'a fait en Haïti, c'est un pareil qui est habitué à son culture. Donc c'est contre culture ça pour nous lutter. Donc c'était dernier slide nous pour aujourd'hui. Donc voilà en quelque sorte ça qu'a passé. Mais t'as comme préciser, c'est parti émerger de l'iceberg là. Il y a un directeur UNICEF qui est obligé de démissionner parce que les monsieur t'as travaillé pour ONG, UNICEF là lui-même qui sont institution des Nations Unies. Monsieur, tu as un petit rapport, déplacé. Tout le monde qui l'a oublié, tout le monde qui l'a caillé, tu as gardé mission harcèlement sexuel, nous avons fait. Yo. Donc, monsieur, tu as un petit rapport déplacé déjà. Donc, dossier ça, il n'y a pas de pardonner. Il n'y a pas de pardonner au comportement ça. Eh bien, je n'ai pas de souris, pas de non. Par contre, nous avons fait, mesdames, nous avons fait l'amour avec vous. Non, vous pouvez pas arriver là. Bonsoir, professeur. D'aller, vous dites pas là bien. Non, nous pas faire ça, nous pas arriver là. Ah, nous pas faire ça ou bien nous pas faire ça encore. Nous pas faire du tout. Nous pas faire encore. Nous pas faire du tout. OK, pas de problème. Monsieur parler. On va aller, oui, comment relé. Bonsoir professeur estimé. Non pas monsieur Judson Mésidor. Monsieur Mésidor. Juriste et mémorant en relations internationales. Donc préoccupation pas maintenant, c'est alors tu fais des facultés? Oui, je fais des facultés. Okay. Préoccupation pas maintenant, c'est quant à aboutissement enquête que l'État haïtien annoncé parce que nous connaissons nous avons culture de l'enquête se poursuit. Oh, on dit même ça l'enquête se poursuit. Bon, c'est nous ça qui connaît, toujours hein? Dit. Donc préoccupation pas maintenant, c'est ouais à ce que vraiment enquête ali abouti et que auteur crime ça. Oui. Et m'a dérangé dans ou tout non papa, pas dit me détour non. Ou connaît ton nouvelle tout? Bon, il existait pour monde qui croit la donne. Ah OK, mais pas pour? Non, pas pour. Ah bien, OK, on va continuer. Justement, donc c'est une préoccupation que moi-même moi partager, c'est ouais que exemple tracé. Donc, c'est une occasion en plus que l'État haïtien gagne pour montrer au, à la face du monde que nous ne pouvons pas tolérer la corruption, nous ne pouvons pas tolérer que nous avons utilisé le mauvais moment que le peuple haïtien a passé pour faire ça. Mon cher, mais l'espérance est gagnée. Tout le monde est sous table de l'espérance. Tout le monde a gagné l'espérance. Mais pas grand pile qui croit dans l'espérance. Et surtout que les victimes sont capables de jouer une réparation. Bon, là, nous allons entrer dans l'autre chapitre. Comme c'est dans l'espérance où il y a, je suis un champ d'espérance qui est là, je vais m'apprêter. Je ne sais pas si je vais m'apprêter le bout quand même. Mais, je vais voilà, merci. Nous, là, je vais prendre note. Je ne vais pas conclure avec une madame. Dis-moi, non. Où est-ce que les tremblements étaient ici, Port-au-Prince? Non. Qui est-ce que tu es? Je suis à Jérémy. Ah, où est-ce Jérémy? Jérémy n'est pas de victime, le séisme. Là. Il t'a frappé? Tu es secousse, mais pas de cas écrasé, pas de problème. Mais, où est une victime dans Mathieu? Oui. Ah OK d'accord parler et eh bien ça qui passe est-ce que gien moun k'ap vive Jérémy dans condition côté CONG k'ap aidé yo? Oui. Et jusqu'où n'y a? Oui. C'est Islande t'est passé en 2016 je crois. Là maintenant on est en 2018 et pas 2016 Mathieu c'est t'est passé en 2016. Yeah, alors Mathieu t'est passé en 2016. Oui. Pour jusqu'où n'y a moun yo pour ka fin levé de sa catastrophe. Ah OK. Vous êtes madame Annick Michel. Annick Michel. OK. OK. Moi je voulais parler, m'aller plus loin que le ministère de planification. C'est vrai que dans la planification, il y a une unité qui est le UCON, qui est responsable de l'ONG. Mais moi-même, je me demandais, est-ce que l'État qui contrôle la population parle là, d'abord? Parce que il y a l'institution qui est l'État ou privé, il y a une pile consacrée ça fait. Alors d'abord on fait ce qu'on veut. Donc vous voulez dire non? N'a pas les jours d'hier, n'a pas les scandales ça dans ONG, mais dans institution privée et l'État ici en Haïti, des mêmes actes ça au cap fait. Est-ce que nous bien entendez ça dire? Oui. Y a un monde ou compétent ou avec diplôme, licence etc. Ou alors dépose un CV et puis nous n'avons que ça. L'offre d'un job là, qui soit à Bali après. Est-ce que ça arrive personnellement, ou déposer CV? Oui. Ça veut dire, ou déposer CV à un côté, et côté à Zou, alors responsable ou bien au côté à Zou, faut bal, on oui, bagaille en retour. Oui, responsable ressources humaines, non, même dit que l'offre d'un job là, qui soit à Bali après. Ça veut dire qui ça? Sans te comprendre de ça, le Zou là? Il m'a allé plus loin, parce qu'il me posait la question, il me dit, comment? Il dit, ben oui, ou l'offre d'un job là, ou pas qu'on est, et dans le pays, pas boy site. Pour jouer nos bagailles, pour arriver, il faut qu'on baille, on bagaille, faut qu'on fait travail. En fait, pour yon travail ou pas en bas, après, pour capable de travailler. Oh, pour yon travail ou pas en bas, pour capable de travailler. Tout monsieur Damiori, moi, ça ne me fait pas rire du tout. Moi, j'ai quatre sœurs,
et j'ai une des sœurs qui est plus petite que moi. Donc moi-même, par contre, si ça fait nous sourire, moi ça m'a fait me sourire, son délinquant ou vagabond sans avoir qu'à parler. Moi, ça ne me fait pas rire. Je suis désolé, moi j'ai cessé de rire. Depuis que je suis ici là, j'ai cessé de rire. Ce n'est pas du tout une plaisanterie. Nèg la baka dit pour l'autre la balle bout en balle, pour le bal job là, sous compétence de gagner. Moi-même, ça m'a fait mourir du tout. Son délinquant parler, son vagabond sans avoir, qui mérite un bacode. Donc par rapport avec ça, obligé rester sans emploi. Passer plusieurs fois, toi passer c'est même. C'est même chanson. Où est les chansons? Il y a tellement de musique là en ville. Où est les chansons? Son chanson. C'est même un refrain. Pour ça pour faire, quel est l'homme chez Job pour aller sans bien, son pas belle, si moun, son pas bordé, peut-être que capable d'être pas bon. Mais naturellement, toujours belle. Donc, même pour maman, mais sans frontière là, oui. Mes amis, mais sans frontière. Donc, vous toujours belle. Donc, monsieur, depuis vous wow, c'est quoi vous avez avant? Yo pa gade CV a pou yo konnen sou kalifiye sou ka fè tel X ou Y. Est-ce que ressources humaines gen besoin compétence ça? Donc compétence qui plus intéresse moun nan, c'est compétence ou ka bay sou ka ban. Normalement. C'est ça au besoin. Et donc, on va continuer. Donc, m'ta ramené l'état. Ou c'est Annick Michel. Oui. Étudiante en relations internationales. Problème nan, Jérémy bay problème nan ville là, on allait dans Jérémy. Donc, m'ta ramené que l'état gen contrôle. La CAILI d'abord. Alors, est-ce que c'est des institutions privées ou bien administration publique? Public. Donc, on t'a remis que l'État gagne contrôle. Où est-ce que public? Public. Que l'État gagne contrôle. Entité, lio. Population, lio. D'abord, comme ça, il est capable de gagner. Au moins, il a une capacité pour contrôler les étrangers qui viennent. Parce que, il y a Jérémy, ONG qui Jérémy. Mais non, qu'est-ce que je vais régler rien sérieux. À part faire photo, genre tout le monde, sous site, c'est. Bon, il y a Facebook, non. Il y a live nous sur Facebook. Par contre, après Mathieu, ça que les paysans ont besoin, d'ailleurs, qu'on est grand dans cela qui baille plus manger dans le pays. Pourquoi elle va passer la Tibonite? Nèg la Tibonite mieux mes amis moi valia kon ba diri li ba diri mais alors que plus ou que plus c'est diversité réellement oui ou que plus diversité réellement donc mon nan chital pote pile diri pile bagaille pile a faire paysan faire photo avec qui ça le pote pour lui mon nan c'est planter le kon planter ay temps pour ba mon nan on graine poisson toujours préférable pour aider le pêcher ou ballon nas pour le connaître pour le voir de loi l'eau par là pour le cas où je ne pêche. Oui, et puis il y a un abus qui fait tout. Abus sexuel. Ça a dit, quand ça a répété, Jérémy n'a pas parlé là. Oui. Donc, pour qui ça l'est abus sexuel fait, je ne sais pas si c'est moi-même qui a un réflexe là. Pour qui ça nous pas un réflexe pour te plaindre? L'homme qui fait nous abus, pour qui ça nous pas pour te plaindre? Est-ce que nous, même si nous disons problème système judiciaire ici, hein, mais au moins, pour que ça ne pas pour une chance pour nous dire pour te plaindre? Moi, je connais pile monde qui peut te plaindre. Est-ce que vous avez suivi que qui va y aller? Jamais. Même moi, répondre sans pas hésiter, jamais. Jamais. Haïti Galé, en fait, tant que collègue là, ce dit à l'heure, c'est petit verbe me conjugué. L'enquête se poursuit. C'est toujours ça. À la forme pronominale. Va faire qui facile non pas ça fait une phrase là tout pour là va pas facile 2 ans 4 ans quand même mourir même en cas tu poursuivre toujours donc il pas aboutir à rien. Alors gueule l'autre fille sur panel là nous on travaille pas encore on travaille ça arrivé nous déjà même qu'a arrivé et amis Annick Michel. Alors Nathalie et pas Nathalie micro nous partager avec nous Nathalie c'est institution privée ou bien institution publique? Bon, c'est na casa m'bral parler à son institution privée. Oh, institution privée. Parce que moi songe moi t'al faire une interview, t'es même arrivé faire interview même. Ça dit ou t'es que t'as déposé CV et puis il y a puis il vient faire interview. Mhm. Là moi aller et puis conversation qui t'es cadre professionnel. Parce que l'a demandé même que comme au capa au kawem parce que m'gen tan gen l'âge, ou pas une cousine, ou pas une petite sœur. Ou pas gain comment ça c'est le plus grand passo parce que moi même mon gros caractère m'pas besoin rien même gain temps limité m'a limité là il doit être un regard ya dans serré bon m'limité parce que tout ça qui ça les boucles 101 parce que si ça pas concerné dans cadre ça me vienne parler hein là très difficile pour aborder personnellement donc il était vrai une ouverture là c'est cousine
c'est un seul. Allez-y, pour jouer un job là, il faut bailler un petit. Au moins, il va jouer une maman, il va tenir pas de petit grand, il joue une lambeau. Oui, d'ailleurs, tu as fait interview, on sait plus. Et puis peut-être que tu as joué trop grand tout, s'il m'a des petits cousins, c'est ça. Non, non, c'est ça. Il va faire un grand, il va pour eux. C'est ça. Et puis, si tu as une connexion avec une organisation, que Simon, maintenant, que tout le monde connaît, qui est une femme, non? C'était un consultant pour tes besoins qui répondent pour présence femme bah ça non qu'on y a travaillé dans la fonction publique là qu'on y a bon on pas fini de tout bagage et puis une semaine pas passé des monde que me connaît moi sur Facebook que mon nom marqué la travail institution c'est dire que pour pas moi tu as fait une réflexion dis bon monde qui d'accord bail. Oui, d'accord, parce que condition c'est ça. Est-ce que grand pile là nous d'accord ou bien grand pile qui pas d'accord? Moi m'apprête au chômage. M'apprête au chômage. Yeah. Évidemment, tu n'es plus au chômage. Maintenant, tu dis que tu es fonctionnaire. Et c'est toujours plus facile de crier dans une BMW, la personne va vous dire, dis-moi donc. Moi, j'ai un ami qui t'a checké, on travaille pour moi dans une mairie dans Port-au-Prince là. Donc les gens ont mairie dans Port-au-Prince, t'entends bien? Là, okay, bon Non, mairie dans l'Ouest là. Dans le département l'Ouest là. Non, mairie dans le département l'Ouest là. Pour mettre dans problème là, non, pas vraiment là, non? Pour me préciser, non, mairie dans le département l'Ouest là. Ok. Donc, moun qui t'a fait un jeune travail là, il est tout clair, il est direct, il dit s'il pas qu'à jeune moi, dans la machine nue, dans l'hôtel, alors bon, par contre, si il a bureau, si il a dans la machine ou bien dans l'hôtel, bon, c'est toutes conditions ça, il était tout bail. Donc on te dit que pour là dit sous pas ca joindre, là dit pas ca joindre, ça veut dire ça veut dire à part de al travail dans mairie, ça veut dire s'il besoin dans machine ni dans hôtel, faut ta joindre moi. Oh ça ils ont fait plusieurs travail à la fois. Plusieurs travail donc moi même comme connais n'ta pas le travail. Soit dis-le ça, soit dis-le ça. Donc m'tout refuser, m'pas pas d'accord. M'pas d'accord parce que alors comment on fait à l'aise pour proposer nous ça comme ça tout. Non, mais l'otigeant assez, l'otigeant, pour n'y pas là, pour n'y pas la couille comme ça, ou pas bosser comme ça même. Comment vous faites l'aise comme ça? Moi, j'ai l'impression que c'est parce que vous sentez supérieur. Parce que déjà... Non, mais quelqu'un qui fait ça n'a rien de supérieur, c'est un. Mais oui, c'est non, ça. Mais c'est un énergumène. C'est il ça, faut dire ça, c'est un énergumène, un spécimen de mauvais goût. Il n'a rien de supérieur. C'est quelqu'un qui a un bon poste, qui a un bon emploi peut-être, qui est dans une position de chef. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de supérieur, c'est un abruti. Il faut dire le mot, c'est un abruti. Mais oui, son sans ave. On n'a pas les français, bon moi. Son sans ave. Mais lui-même, dès que lui sort en position pour le fond bagaille pour, donc il voulait utiliser pour le café bagaille là. Mais comment ça, tout le café sans que le pas de jeune rien, oui. Mais faut que lui. Non, mais même dans la demande, il y a peut-être une manière de demander, il ne faut pas être. Bossal, bossalement bossal comme à la croix des bossal. Oui. Bon monsieur, ça c'est ce que je dis, c'est un abruti. Au moins même dans mandi mes amis, il y a une façon de demander. D'autant plus lika comme si pas veut pour ou toujours attaché à elle pour passer son relation ligue ensemble avant, il tout dire quand ça m'avoir. Hold douce on one shot, ça dit c'est guerrier à le faire. Il y a des vins qui veulent aller, c'est guerrier à le faire, pas arrêter. Alors Matali, une dernière intervention et dernier mot dans l'émission pour nous finir. Bon, non, c'est juste pour ajouter sur même lancé. D'habitude, ils utilisent des mots expérience. Moi-même, je ne sais pas en pile. Des mots disent ah, ou jeune, surtout pour expérience que me fait et tout ça. Plusieurs fois, j'ai des mots qui disent waouh, ou jeune, gain question d'expérience, me cas formé. Comprends plusieurs fois, mais il gain l'autre sens là-dedans. Et bon, on compte expérience ou des radios. Merci beaucoup à expérience. Oh, oui. Bon, ce mieux pas là, ou même. Dans le pays côté sur mieux il y a va un café ou ça mais mon cher pas gain bagaille qui vous fait nourrir j'en démission ça on pas jamais faire quelque content parce que me trouver c'est manquer des gars et ouais en 2018 là il pas acceptable non mais au moins me t'a gonti la charité pour quelque monde mais pour moun pour ça qui passé ici en 2010 nous sont ouais image avec pour bral ba on moun en battant on manger pour dire c'est coucher pour le coucher avant pour ballon ti farine pour ballon ti sinistre on ti poudlette m'ba dou senti Christ mais si aurait le 666 m'a dit mon cher bien tombé ça est numéro boule chansou li ta doui problème ONG a son problème qui profond parce que l'état haïtien des problèmes parle
Alors, je dis l'État haïtien parce que j'ai la charité tout. L'État manque présent. L'État pas présent. Assez. ONG ou entré dans le cadre de vacuum. Donc, de fait, moi-même, je ne parle pas de bagay sa yo. Bagay sa yo pas fait mourir du tout. On n'est pas à l'aise. T'as coup blaise. Et l'État même blaise Pascal même. Le Pascal m'en blaise. Pour le chita. Pour l'offrir l'autre là. On bagay qui est congruent. Et puis il fait bagarre avec une facilité. On rencontre bah là comme si c'est un petit lettre à la poste naturellement. Au moins tu as mis ton petit décorum. Est-ce que je peux vous inviter à prendre un verre après cette interview? Ou gros gens ont ta fait bagarre là au mon bérel. Même là il toujours pas bon oui, mais au mon ta bérel mon là bagarre là comme gros gomme. Dans la Tibonite il aurait son gros soulier, un big shoes. Et puis m'a dit oui, on sont mon important. Non, c'est pas quelqu'un d'important. Quelqu'un qui fait ça est un abruti, il n'est pas important. On est important qu'on fait des choses agréablement bien. Mais si ça, même cause là, dès que ça même peut-être il va cause à femme encore tout, il est tellement jeune bagarre la facile. Et problème ONG à tout l'entrée dans cadre problème global. L'État haïtien pas prend responsabilité. Nous gon l'État pas présent. L'État est absentéiste. Gen de kotwa pas autant de bagay yo marqué tribunal de paix sous li ça m'pa bay mon moti c'est seulement pour ta juger la donne pa sou kalaba couvrir kalaba bari li pa gen rien dedans tribunal de paix c'est tribunal des morts pour tailler seulement. Donc l'État gen obligation pour le présent parce que gon série de services faut l'État bay yo gen moun nan l'ouest là qui pas fait connaissance avec dinepa yo pa jam gen de l'eau la kayo c'est camion de l'eau seulement y a pas acheté pour yon servi. Gen moun nan l'ouest la, électricité d'Haïti a pas un million nan bloc la. Mwen konnen moun pam ki gen un an l pa ko janm wè courant la kayli, gen presque un an l pa wè courant la kayli. Alors que Bordwa yo vin livre li chaque mois pour li. Donc le l'état pas présent, gen des particuliers kap entre dans vacuum nan que l'état laisse a pour vin essayer offrir des services. M pren précaution pour me préciser. Pi fòn nan moun sa yo gen bonne intention. Mais gen mal pour honte, gen sans ave, gen voyou qu'entrer sous couverture humanitaire pour venir essayer profiter de état de délabrement moun yo. Donc faut l'état prendre responsabilité que ce soit au civil et au pénal pour après, mais avant tout en amont faut l'état travail pour l'état décider offrir moun ay kap viv Haïti yo pour yo faire au vivre tant que moun pour citoyen haïtien suspendre vente tant que bête, suspendre vivre tant que bête. Nous devons cela aux enfants de ce pays. Nous sommes dans l'obligation, je dis bien l'obligation, de construire un meilleur pays pour tous les citoyens de ce pays. Nous devons mieux à la patrie méritante, la patrie bienveillante. Nous devons construire une Haïti digne de ce nom, une République digne de ce nom. L'État d'Haïti doit prendre ses responsabilités pour construire cet Haïti-là. Et c'est cet Haïti-là que je rêve. Et c'est un rêve ça me partage avec nous. C'est un rêve ça me vend nous. C'est un rêve ça me bat nous. M'envie, en pile moun kouen en rêve-là. C'est pas redormi sous rêve-là, non? Tous ces pantalons, toucher mon chemisou, marcher dans tout le monde, marcher dans le monde. Par là, moun yo, pour nous faire l'autre pays. Nous avons obligation de faire l'autre pays. L'autre pays est là bon pour faire un dos. La bon pour Annick Michel qui a demandé colle pour le jeune job là. La bon pour Judson Mésidor. La bon pour docteur qui avait la non échappé. Donc de fait, pays ça la bon pour nous tous. Et nous avons quitté un pi bon pays pour petit nous. Pour petit Fernando, petit Annick Michel, petit Jean-Marc Alexandre, petit Gérald Palanquet. La bon pour petit nous tous. Petit gros zouzoun dans le petit maléré. Eh bien, on fait pi bon pays ça. C'est le message ça m'a pour nous aujourd'hui. J'étais très content d'entrer la caillou dans le cadre de sortie émission sans frontières, émission que Radio Télévision Caraïbe pote pour chaque jour pour aider à comprendre ce qui a passé dans l'espace international. Là, tant que l'émission dans l'espace tout bien sur Radio Espace, donc dans l'espace international, il faut comprendre ce qui a passé. Donc merci beaucoup, nous sommes très contents avec vous.